Afternoon, ladies and gentlemen. We're about to start. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer la cérémonie de clôture. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Thank you very much. We'll just wait 30 more seconds. Merci. Nous allons attendre 30 secondes supplémentaires et ensuite nous commencerons. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the closing session. Chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue à la session de clôture de cette IGF 2018. À ma droite, nous avons madame Lynne Saint-Amour, présidente du groupe consultatif multipartie prenante. À sa droite encore, monsieur Fabrizio Rothschild, secrétaire général assistant au bureau exécutif du secrétaire général des Nations Unies. À sa droite, l'ambassadeur David Martinon, coprésident du pays hôte, coprésident de ce MAG 2018. Et à la fin, nous avons monsieur Pierre Bonis, coprésident du comité d'organisation multipartie prenante pour la France. Cette session se subdivisera en trois parties. D'abord, nous allons avoir des remarques introductives des présidents et du pays hôte, avant de passer à notre traditionnelle session open mic ou scène ouverte. Vous voyez les micros, ils sont là et vous pourrez parler chacun à votre tour avant d'entendre les remarques de clôture de la communauté ainsi que du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Lynne Saint-Amour. Merci beaucoup, Chengetai. Je voudrais remercier la communauté de l'IGF, toutes celles et tous ceux qui participent sur place et sur Internet, à la fois cette semaine et tout au cours de l'année qui vient de s'écouler. Merci pour ces excellentes sessions que nous avons eues cette année et aussi pour toutes les activités entre les sessions. 4 forums, 17 coalitions, toutes sortes d'efforts politiques pour connecter le prochain milliard. Et nous remercions également les efforts des 111 initiatives nationales, régionales et de la jeunesse. Ce sont des activités qui nourrissent tout l'écosystème de l'IGF et qui ont une importance capitale. Nous continuons de vous remercier plus tard, mais nos travaux sont loin d'être terminés. Après des remarques du pays hôte, comme Chengetai l'a dit, nous passerons à la scène ouverte, où nous écouterons vos réflexions sur l'IGF de cette année qui vient de s'écouler, et également sur les travaux qui nous attendent pour cette année. Nous avons 1h30 pour cette session, donc n'hésitez pas à préparer vos remarques et vos commentaires. Nous avons toute une variété d'outils pour nous donner des retours qui sont absolument clés pour notre amélioration. J'invite chacune et chacun à prendre quelques minutes pour répondre à la question suivante. Quel impact l'écosystème IGF peut-il avoir au cours de l'année à venir sur le sujet dont il a été question au cours de cette semaine ? Nous attendons vos retours qui soient articulés autour de tags ou autour de sujets ou encore autour de certaines sessions qui ont été organisées. Plus votre suggestion est concrète, mieux nous porterons. Et n'hésitez pas à préciser quel est le sujet ou quel est l'atelier en particulier, la session en particulier sur laquelle vous voulez commenter. Vous trouverez de nombreux outils différents pour nous donner votre retour. Avant de donner la parole à l'ambassadeur Martinot, je voudrais prendre un moment pour remercier l'UNESCO pour tout le soutien qu'elle nous a apporté à l'organisation de l'IGF de cette année. L'UNESCO est l'un de nos partenaires pour ce sommet annuel sur l'informatique et nous apprécions énormément leur coopération active. Je voudrais également remercier Hu Lin Zhao, secrétaire général de l'UIT, qui malheureusement ne peut pas être ici puisqu'il y a également la plénipotentiaire de l'UIT cette semaine. L'UIT qui est également un partenaire de choix pour nous. Et nous espérons pouvoir continuer à travailler avec eux dans un avenir très proche. Maintenant, je voudrais vous présenter David Martinon, l'ambassadeur pour les questions de numérique auprès du ministère français des Affaires étrangères, co-hôte de l'IGF de cette année. Comme vous le savez très bien, le gouvernement français
a fait en sorte que nous ayons un hôte, alors que nous étions sans hôte, nous étions sans domicile fixe il y a encore quelques mois. Cela ressemble à la situation l'année précédente, quand le gouvernement suisse et le bureau des Nations Unies à Genève nous ont donné un coup de main à la dernière minute. Nous remercions la Suisse et la France pour leur soutien à l'IGF et surtout nous vous remercions d'avoir témoigné si activement de votre soutien au processus multipartie prenante. Nous attendons avec impatience l'IGF à Berlin l'année prochaine et nous remercions l'Allemagne pour son soutien. Alors évidemment, cela fera trois IGF de suite sur le continent européen. Et ce n'est pas par choix, mais par nécessité que c'est le cas. Et c'est avant tout possible grâce aux efforts exceptionnels de certains gouvernements. Mais nous attachons une valeur particulière à la diversité au sens large, au sein de l'IGF et de la communauté Internet. Il faut également diversifier nos lieux de réunion. Il faut également élargir nos interactions avec les parties prenantes. Ainsi, je demande au gouvernement et aux autres régions d'examiner leurs possibilités afin d'éventuellement accueillir l'IGF à l'avenir. Chengetai et moi sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Mais sérieusement, si nous voulons vraiment diversifier nos lieux de conférence et élargir notre palette de parties prenantes, nous devons varier les plaisirs et accueillir l'IGF sur d'autres continents. Sur ce, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je vous donne la parole. Merci, Lynn. Je vais pour ma part d'abord commencer par respectueusement et amicalement laisser la parole à mon co-chair du comité d'organisation, co-chair représentant la société civile, qui est à ma droite, Pierre Bonis, mais pas avant, Pierre, d'avoir remercié en notre nom à tous les deux Lynn Saint-Amour pour sa constance, sa ténacité, son expérience, sa passion pour l'ensemble de nos sujets et son attachement à l'IGF qui l'a fait se lever le matin, tous les matins, pour que l'IGF vive, pour qu'il soit accueilli dans d'autres pays hôtes et globalement pour faire tourner cette machine. Donc, Lynn Saint-Amour, il était temps qu'avec un tel nom, vous soyez accueilli dignement par la France. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, le Saint-Amour est un des meilleurs vins du Beaujolais. Il fallait le dire. Et c'est quand même un des plus beaux noms de vin qui soit, un des plus beaux noms tout court, le Saint-Amour. Donc, Lynn, merci pour tout ça. Merci à ton équipe, Changetai et toute l'équipe du secrétariat de l'IGF. Et maintenant, Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup, David. Merci, mesdames et messieurs. Nous approchons de la conclusion de ce 13e forum sur la gouvernance de l'Internet, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Les connaisseurs savent combien la session qui va s'ouvrir dans quelques minutes, dite de stocktaking, est riche et permet de faire un point sur les avancées, les approfondissements, les solutions trouvées ou non par l'ensemble des parties prenantes durant ces 3 jours de travail intense. Alors, à nos yeux, David et moi, et je pense au nom de tout le comité d'organisation, cette édition à Paris du Forum sur la gouvernance de l'Internet pourrait marquer l'histoire du Forum sur la gouvernance de l'Internet, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, une participation très importante autour des 3 000 participants et très diverse. Ensuite, une expression au plus haut niveau de la part du système des Nations Unies et du pays hôte, ce qui représente une conjonction, je crois, inédite dans l'histoire du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Enfin, une actualité qui amène l'ensemble des parties prenantes à travailler plus ardemment encore à la recherche de solutions consensuelles pour faire face aux nouveaux défis qui sont tous les jours plus nombreux et qui peuvent être difficiles à régler, et dans le même temps saisir toutes les opportunités offertes par la société de l'information. Alors, personnellement, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir participé à l'organisation de ce forum à côté de l'UNESCO. Nos amis de l'UNESCO, je voudrais particulièrement saluer Sacha Rubel et Judith Van Zelen parce qu'elles ont travaillé très dur et parfois dans des conditions un peu difficiles pour vous accueillir tous ici. Difficile à cause de nous, en fait. Oui, j'osais pas le dire, mais enfin oui, c'est surtout à cause de moi d'ailleurs. Mais donc je m'excuse platement auprès de tout le personnel de l'UNESCO, que parfois j'ai un peu bousculé, mais véritablement, c'était un plaisir pour moi en tout cas de travailler avec vous.
Alors, vous savez, on est convaincu en France quand même de l'approche multipartie prenante et on est notamment convaincu qu'elle peut être efficace, au-delà d'être juste et équitable. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un comité d'organisation multipartie prenante. On fait de la logistique multipartie prenante, il faut qu'on soit efficace, il faut que ça marche. Et j'espère qu'on vous a montré que ça pouvait marcher. Alors pour nous deux, David et moi, le moment est venu de remercier les personnes et les organisations qui se sont impliquées, souvent bénévolement, ne comptant ni leurs jours, ni leurs heures, ni leur énergie, pour vous permettre à toutes et tous d'être ici et de trouver ensemble des solutions pour l'Internet de demain. Et donc, je vais commencer par remercier nos camarades, nos amis et nos partenaires de la société civile française, et en premier lieu l'équipe du chapitre français de l'Internet, l'ISOC France, avec Nicolas Chagny, merci à toi, avec Lucien Castex, merci à toi. Nous avions créé il y a quelques années, 4 ans maintenant je crois, le chapitre français de l'Internet. Tu le fais vivre ou le faites vivre, merci pour tout ça. Renaissance numérique, un think tank français avec Jennifer Chrétien au premier rang, deuxième rang. Merci à toi Jennifer de ton travail, de tous les instants. Nous te devons beaucoup. David Lacomblède qui dirige la Villa Numéris, merci à toi. Je ne te vois pas alors que tu fais 3 mètres de haut, mais je te sais dans la salle. David, merci pour ton aide, pour ton concours, extrêmement précieux. Je voudrais évidemment remercier le directeur général de l'AFNIC, qui gère le .fr, et toute son équipe, donc le directeur général est là. Merci Pierre, merci à ton équipe. Sophie Canac, Pascal Vella, toute l'équipe de communication, Régis Massé, Benoît Ampeau, toute l'équipe commerciale également, merci vraiment non seulement d'avoir participé personnellement et franchement sans toi on n'y serait pas et d'avoir accepté de mettre à disposition aussi les compétences et le temps et l'énergie de ton équipe, c'était évidemment absolument crucial. Il y a une autre personne que je voudrais citer, Laurent Ferrali. Si on n'entend rien, c'est parce qu'il est corse, donc il a fait taire tout le monde. Laurent Ferrali de l'ICANN, qui nous a apporté son soutien personnel et au fond le soutien de l'ICANN. Sébastien Bacholet, ancien membre du board de l'ICANN et activiste, merci Sébastien, activiste de la première heure. Nous te devons beaucoup également. Je voudrais remercier Monji Marzoug pour Orange, qui nous a beaucoup aidé intellectuellement et de plein d'autres manières. Merci à toi. Merci à Stéphane Richard d'avoir participé au panel de haut niveau. Merci à toi. Et puis, je voudrais remercier Jean-Pierre Ferrand de l'agence Allegria, l'agence d'événementiel, qui nous a énormément aidé et qui nous a permis de vous recevoir dans d'aussi bonnes conditions. Pierre, à toi pour la suite. Voilà, il me reste, moi, au nom du comité d'organisation de la composante société civile et secteur technique, à remercier le gouvernement. Vous voyez, l'échange de bons procédés entre acteurs, ça ne fait jamais de mal. Et notamment, je voudrais commencer par remercier très chaleureusement, évidemment, Dalila Ramouni, qui travaille formidablement depuis des mois là-dessus. Et autour d'elle, Najma Bichara, Mehdi Moukrit. Je voudrais aussi remercier Laurent Stefanini et la délégation permanente française à l'UNESCO, qui a beaucoup facilité les choses pour nous. Et puis, donc cette équipe de choc, elle est vraiment au cœur de l'organisation. Il y avait dans le comité de coordination également des organismes qui relèvent de la sphère publique, même si ce n'est pas des organismes gouvernementaux, et qui ont joué un rôle absolument majeur. Je voudrais remercier pour le Conseil national du numérique Charles-Pierre Astolfi, son secrétaire général, pour tout ce qu'il a fait. Vous pouvez le remercier pour les sacs, hein, d'ailleurs, ils sont très beaux. Marie-Lou Leroy, évidemment.
Je voudrais remercier pour l'ARCEP Antoine Samba. Je ne sais pas s'il est là, mais merci aussi pour leur aide. Voilà pour toutes ces personnes qui, vraiment, je crois, pour certaines d'entre elles, ont découvert le FGI. Pour d'autres, ce n'était pas la première édition, mais ont pris beaucoup de plaisir à faire en sorte que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions. Merci pour eux. Merci vraiment à tous ceux qui ont été cités et à tous ceux que, par mégarde, nous n'aurions pas forcément cités. Je voudrais aussi, en notre nom à tous, remercier tous les volontaires qui ont fait un boulot énorme depuis 4 jours, à qui nous devons beaucoup. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez pris du plaisir, que vous avez appris des choses, parce que de notre côté, ça a été absolument crucial de pouvoir nous appuyer sur vous. Vous avez fait des tas de choses, vous avez fait un travail logistique, vous avez fait un travail de prise de notes, de synthèse, d'animation. Vous avez été remarquables en tout point. Vous avez été très nombreux, tellement nombreux qu'on ne va pas s'aventurer à citer toutes les écoles et toutes les universités que vous représentez, parce qu'on risquerait d'en oublier. Mais en tout cas, merci à vous tous. Et sachez que vous avez votre place dans l'écosystème de l'IGF et de l'IGF français notamment. Merci à vous. Et puisqu'en tant que pays hôte, on a encore un petit peu de temps pour nous, je voudrais donner la parole à deux personnalités de l'écosystème numérique français, parce qu'ils le méritent, deux leaders, deux entrepreneurs, qui, au fond, si nous avons bien participé au débat depuis 3 jours, incarnent des idées, des solutions et des valeurs que nous avons tous, je crois, tenté de mettre en avant au cours de nos débats. Je voudrais inviter Alexandre Zapolski, qui est le fondateur de l'Inagora et qui est en même temps un membre du Conseil national du numérique et qui est de longue date un promoteur du logiciel libre en France et en Europe. Et après lui, j'inviterai Éric Léandry, le fondateur de Quant, pour des raisons tout à fait similaires. Alexandre, tu as la parole. Monsieur l'ambassadeur, mon cher David, mesdames et messieurs, c'est un véritable honneur pour moi et au nom de ma société de participer à la clôture de cette IGF 2018. Je tiens à remercier l'ambassadeur Martinon, également le président de l'AFNIC, Pierre Bonis, de bien avoir voulu nous associer à cet événement aux côtés de nos amis de Quant. Nous partageons les mêmes valeurs que l'ensemble des participants de l'IGF. Nous croyons aux vertus d'un Internet libre et ouvert, qui est pour nous la garantie sine qua non d'un Internet neutre. Cette neutralité du net, certains l'attaquent au profit de géants économiques de l'Internet. Nous ne voulons pas qu'Internet se résume, comme la quadrature les appelle, à un GAFA Minitel, une sorte de réseau où seuls seraient proposés des services numériques commerciaux. Nous pensons que tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. Internet ne doit pas devenir uniquement un lieu de marchandisation de son temps ou de ses données. Ce n'est pas notre modèle de société, ce n'est pas notre culture. De la même façon, nous ne pensons pas qu'un État seul, aussi puissant puisse-t-il être, que cet État soit seul le garant de l'émancipation de ses citoyens. Nous croyons à une troisième voie numérique fondée sur les valeurs démocratiques et d'émancipation qui sont celles que nous portons en France depuis les Lumières. Ces valeurs, nous les partageons naturellement avec beaucoup d'autres pays, européens ou non européens. Et au cœur de ces valeurs, naturellement, il y a à la fois l'éthique et le respect à la vie privée. Nous avons un défi immense à relever tous ensemble, gouvernement et société civile, pour que l'esprit et les principes d'Internet
soit préservé. Un Internet libre et ouvert, c'est ce qui permet à chacun, en toute égalité, d'exister, de penser et d'agir dans le cyberespace. Nous devons préserver ce bien commun de l'humanité. C'est le défi de notre génération. C'est aussi la responsabilité qui nous incombe à nous, les penseurs et les faiseurs du web. Ce combat, c'est aussi celui que je porte avec mon entreprise Linagora depuis 18 ans. Nous n'avons jamais choisi la facilité. Tous les logiciels que nous développons sont des vrais logiciels libres. Ils sont libres et gratuits. C'est ce que nous appelons le free-free. Free as a beer and free as a freedom. Nous pensons que l'innovation n'a que de valeur que si elle est partagée. Ma plus grande fierté ne réside pas dans la performance de notre chiffre d'affaires, mais dans les impacts positifs que nous pouvons avoir. Permettre à chacun d'accéder librement et gratuitement à l'innovation, en particulier dans les pays en développement, est l'une de mes plus grandes satisfactions. Alors je pourrais aussi vous parler pendant des heures d'inclusion numérique ou d'enjeux de formation au métier du numérique, mais je sais que le temps nous est compté. Alors simplement, j'aimerais vous le redire, ce fut un honneur et un plaisir d'être avec vous au cours de ces 3 jours. Et, chers amis, je forme un vœu. Faisons en sorte que notre Internet reste formidable. Make our Internet great forever. Merci. J'invite Éric Léandry, fondateur de Quant, à rejoindre le podium. Éric est aussi un leader de l'écosystème numérique français et encore une fois son modèle porte des valeurs qui nous sont très chères au sens où par exemple, mais il y reviendra, Quant est un moteur de recherche alternatif qui était GDPR compliant bien avant le GDPR. Éric, à vous. Merci et merci de me recevoir, merci de recevoir Quant et merci à vous tous. Je ne vais pas pouvoir être aussi fort que toi en compliment, donc je vais aller directement à l'essentiel. Mesdames et messieurs, c'est un véritable honneur en fait de pouvoir m'adresser à vous en cette journée de clôture du 13e forum annuel sur la gouvernance de l'Internet. Et c'est d'autant plus un honneur que cette année l'IGF est organisée dans ces lieux à l'UNESCO, c'est-à-dire au sein de l'une des principales institutions mondiales chargées de promouvoir le respect des droits internationaux et des droits de l'homme. Pendant 3 jours, nous avons ici discuté des moyens de préserver ce qui fait d'Internet un lieu exceptionnel d'échange entre les individus et les cultures. Un développement économique et social, tout en réfléchissant aux manières les plus démocratiques d'éviter ou de corriger les excès qui menacent les fondements de nos sociétés. Hélas, je m'adresse à vous au lendemain de la commémoration du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, qui nous poussent à réfléchir aux problématiques du nécessaire dialogue entre les hommes et au fait que tout cela doit être renforcé. C'est une responsabilité que l'on partage tous. Lorsque j'ai posé les premières pierres du moteur de recherche Quant, c'était en 2011. C'est la même année où le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies adoptait pour les entreprises les principes directeurs de l'ONU relatifs aux droits de l'homme. Ces principes ont rappelé à tous les acteurs de la vie économique, y compris bien sûr dans l'industrie numérique, que nous avons la responsabilité de respecter les droits fondamentaux, les droits de l'homme, à travers toutes nos activités. C'est ce qui a toujours guidé l'action de Quant. Nous avons souhaité que l'ensemble des droits fondamentaux des internautes, et en particulier le droit au respect de la vie privée et à la liberté d'accès à l'information, soient préservés et même promus par la manière même dont nous concevons nos produits. C'est de l'éthique by design, c'est du privacy by design. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix dès le départ de prendre le contre-pied des habitudes prises sur Internet et de ne collecter aucune donnée personnelle de nos utilisateurs. Ça nous oblige non seulement à garantir le parfait respect de la vie privée des internautes, mais aussi à offrir des résultats de recherche neutres qui n'enferment pas progressivement les utilisateurs dans leurs propres convictions, qui ne favorisent pas leur radicalisation, mais qui leur donnent à tous de voir la diversité du monde, ce que promet Internet.
C'est ce modèle d'avenir que nous proposons. Il ne s'agit pas de l'imposer, mais nous pensons qu'il s'agit d'un modèle qu'il faut encourager, promouvoir, parce qu'il permettra un développement numérique durable et respectueux de nos libertés les plus élémentaires. Chacun sent bien qu'on ne pourra pas continuer encore longtemps, sauf à abandonner totalement certaines de nos valeurs, à fouiller toujours plus loin dans l'intimité des gens pour gagner du chiffre d'affaires, tout en prétendant respecter la vie privée et la sécurité des données. Comment est-ce possible ? Chacun sait que l'on ne pourra pas continuer à jouer les pompiers pyromanes, qui d'un côté choisissent de promouvoir les contenus qui font le plus réagir les internautes, en jouant sur leurs cordes sensibles, personnelles, intimes, et de l'autre prétendent lutter contre les contenus qui radicalisent et rendent intolérants. Comment est-ce possible ? Il faut sortir de cette schizophrénie digitale comme l'on essaye aujourd'hui de réaliser une vraie transition écologique vers de nouvelles énergies vertes. Cette idée de la nouvelle énergie verte, c'est préserver notre écosystème et le devenir de notre planète. Nous pensons qu'il en est de même dans le numérique. Nous devons aller vers autre chose. Nous devons permettre un développement numérique durable et il est indispensable. Mais pour qu'il puisse exister et prendre toute sa place, il est essentiel que les internautes aient le choix des outils qu'ils veulent utiliser et que les régulateurs nationaux et régionaux, associés à tous les acteurs privés et publics, prennent toute la place qui leur est due. Ce libre choix et le pouvoir démocratique de régulation sont aujourd'hui menacés par le poids de certains monopoles ou oligopoles qui ont une puissance inédite, tels qu'on les traite, hélas, parfois aujourd'hui, avec autant d'écart que les États. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit ici devant vous lundi, avec la formule qui a le mérite d'être claire, il faut sortir de la fausse alternative entre l'Internet ouvert et fermé, entre l'Internet californien et l'Internet chinois. Il ne faut pas renoncer à imposer nos règles aux acteurs industriels, et c'est le patron d'une entreprise privée qui vous le dit. Nous avons besoin que les règles du jeu décidées par nos représentants soient équitables pour tous et qu'elles soient respectées par tous. Cela passera notamment par une volonté décuplée de lutter beaucoup plus vite et plus fort contre les abus de position dominante qui freinent le développement d'un Internet durable et d'assurer aux consommateurs un véritable choix des services qu'ils veulent utiliser sur l'Internet. Car in fine, ce sont bien les citoyens qui décideront à travers leur choix de l'Internet qu'ils veulent, à condition que ce choix soit correctement éclairé et qu'il leur soit vraiment proposé. Nous avons besoin des Américains, nous avons besoin des Chinois, nous avons besoin des Russes, mais nous avons également besoin des Africains, des Indiens, des Sud-Américains, du reste de l'Asie, des Européens, en fait des 5 continents. On pourrait même rajouter le 6e si vous voulez. Et donc, nous avons besoin des Nations Unies. Nous avons plus que jamais besoin de travailler et continuer à permettre à Internet d'être un réseau qui soit protégé et qui soit surtout neutre pour le reste et pour toujours. Merci à tous. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons maintenant ouvrir notre séance. Scène ouverte ou micro ouvert. Si vous voulez intervenir, eh bien, vous pouvez vous signaler. Il y a un micro à gauche et un micro à droite si vous êtes en ligne. Inscrivez-vous selon les instructions que vous pouvez lire à l'écran. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Eh bien, nous sommes les coprésidents, donc nous allons faire une petite alternance. Nous voulons entendre ce que vous avez à nous dire. Nous allons prendre note. Tout ceci sera transcrit, archivé, etc. Vraiment, nous voudrions que tous les groupes, toutes les communautés soient entendues pour que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, nous avons un petit chrono. Deux minutes pour faciliter la participation en ligne. Et puis, nous allons alterner entre les questions de la salle et les questions en ligne. Et s'il vous plaît, présentez-vous et puis parlez lentement. Bonjour, Lily du Ghana. Internet Society Jeunesse. C'est la première fois que je suis à l'IGF. Ça a été très intéressant. J'ai été dans un certain nombre de séances. Il y a eu des messages, inclusion, accessibilité numérique notamment.
Alors, l'accessibilité, combler le fossé, et notamment pour les personnes handicapées, ça c'était très très intéressant. Si j'ai bien compris, eh bien, il y a différents types de divisions, différents types d'exclusions. Il y a l'exclusion technique, l'exclusion liée à la possession ou pas d'infrastructures, d'appareils, d'installations, mais il y a également d'autres types d'exclusion. Il y a des personnes, pour par exemple des raisons de santé, n'ont pas accès à ce qui existe, aux infrastructures. Et donc, je pense que nous avons besoin de construire une véritable inclusion de tout un chacun pour que la confiance soit renforcée en impliquant toutes les parties prenantes. Merci, Steve Zell. Et je viens de San Francisco. Alors, ce n'est pas la première conférence à laquelle je participe, c'est la troisième. Il me semble que l'on pose des questions de l'accès à Internet à l'intérieur des pays même, et qu'il y a des différences entre les pays. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont dépensés pour faire la guerre, alors qu'on ne peut pas acheminer l'électricité dans certains pays africains. Alors où est le problème? Le problème, c'est la priorité de l'attribution des ressources. Les ressources, elles sont consacrées pour faire la guerre et pas pour les infrastructures nécessaires pour développer l'Internet. Et je pense que ça, c'est tout à fait vital. Et vous savez, j'ai entendu cela déjà depuis 2 ans et ça me pose problème. Et puis autre chose qui n'est pas véritablement traitée, ça me préoccupe, c'est les techniques liées à la robotisation de la classe ouvrière, des travailleurs. Il y a des millions et des millions de personnes, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs, qui perdent leur emploi dans le monde en développement, mais surtout dans des pays tels que les États-Unis. C'est un immense, immense problème des gens qui sont submergés par les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, etc. Alors c'est vrai pour des pays comme les États-Unis, mais aussi pour les pays en développement. On va en parler lors de la prochaine conférence à San Francisco. On a l'impression qu'on est véritablement une véritable fin du monde. C'est comme une sorte de dystopie avec ces incendies, avec ces feux de forêt. On n'arrive pas à lutter efficacement contre ces incendies. Il y a tout ça, ça menace non seulement la Californie, mais le monde entier. Et ça, c'est une autre question pour laquelle nous avons besoin d'agir au niveau international. Et bien sûr, je veux parler de l'environnement, c'est au cœur de nos préoccupations, parce que les gens qui travaillent à la Silicon Valley, eh bien, ils ont l'impression qu'ils peuvent continuer à travailler dans leur petite tour d'ivoire sans se préoccuper de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est faux. Vous savez, quand moi, je retournerai en Californie, eh bien, peut-être que je devrais m'acheter un masque, tout simplement. Un masque pour arriver à respirer. Je pensais que c'était que pour les habitants de Pékin, mais non, peut-être moi aussi, à cause des problèmes d'environnement, je devrais avoir besoin d'un masque pour respirer. Oui, Paul Dinatra, je viens des Pays-Bas. Je suis un spécialiste des questions techniques, une communauté technique. Nous avons entendu parler des changements au sein de l'UJF. On a parlé de la mise en place de programmes sur la restructuration de l'UJF. Alors, 2 exemples sur ce que l'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc, il y a des travaux pendant l'intercession. Et il faudrait que ces travaux pendant l'interception soient mieux organisés, tout simplement pour que l'on prenne des décisions plus efficaces basées sur des meilleures solutions. Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'il était très, très difficile d'arriver à prendre des décisions dans le cadre d'un processus IGF traditionnel. Donc, nous avons essayé de trouver des approches en ligne et hors ligne pour aider à la prise de décision. Et le MAG nous
nous a aidés. Et monsieur vient de nous dire que, là je voudrais parler de la direction du MAG, vous savez, il y a un certain nombre de questions transversales qui n'apparaissent pas forcément lorsque l'on entend séparément les différentes communautés. Donc je pense qu'il faudrait que les discussions du MAG soient plus ouvertes et plus transparentes. Alors, peut-être quelques exemples de ce que l'on pourrait améliorer, rien de personnel. Vous savez, ça fait la 9e fois que je viens. Et si, après 9 ans, si j'entends de nouveau parler de la maltraitance des enfants ou de la pédopornographie sur Internet, ça fait 9 ans que j'entends les mêmes choses. Eh bien, peut-être ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Donc, je ne sais pas, peut-être la direction du MAC pourrait essayer de trouver des solutions plus innovantes. La deuxième question touche à la coordination. On a 10 sujets sur la cybersécurité. On essaye de au lieu d'entendre 10 fois la même chose en 10 séances différentes, peut-être il faudrait réunir les 10 esprits les plus brillants sur un sujet comme la cybersécurité, et puis peut-être à ce moment-là, on pourrait arriver à quelque chose. Et enfin, peut-être, il faudrait que les séances soient plus dynamiques, soient plus interactives, qu'on puisse mieux anticiper, qu'on puisse mieux négocier, discuter ensemble, parce que sinon, je ne pense pas qu'on arrivera à des questions qui intéressent véritablement tout un chacun. Merci beaucoup. Ernesto Rodriguez. Je voudrais remercier l'opportunité qui nous est donnée à l'occasion de ce forum de travailler à des questions si importantes, des questions qui ont une importance pour le développement et les vies de nos peuples. Les technologies de l'information et de la communication sont chaque jour un facteur de plus en plus important dans la vie des citoyens de nos mondes. Il faut développer la sécurité et la confiance envers l'informatique. Cela constitue autant d'éléments qui, en commun avec le respect et l'éthique, de même que l'innovation et le développement de l'Internet, sont des axes fondamentaux de la politique qui doit être prise. Je remercie encore l'IGF de nous avoir donné l'occasion de débattre de ces sujets. Nous devons travailler pour développer une gouvernance qui soit démocratique, qui soit participative, qui s'appuie sur la Charte des Nations Unies, le droit international ainsi que le multilatéralisme. Il faut que participe également quiconque et tout acteur qui ait intérêt à agir, quels que soient ses rôles et ses responsabilités. Les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication ne peuvent pas être envisagées sans être centrées sur les personnes et sur le développement. Il faut que cela implique le gouvernement, les entreprises, les universités et la société civile pour éviter que les technologies soient utilisées à des fins subversives ou militaires. Et ainsi, nous devons lutter contre la prolifération de la cybercriminalité et le cyberterrorisme. Ainsi, je voudrais encourager le secrétariat de l'IGF à continuer à analyser en profondeur ces thèmes à l'occasion des prochains forums. Merci. Thank you. And thank you for Merci de nous avoir rappelé également que cette séance est interprétée dans les 6 langues des Nations Unies. Donc vous pouvez vous exprimer dans votre propre langue. Renata Kenny-Bero. Je suis membre du MAG depuis 3 ans. Je voudrais vous remercier, et je voudrais remercier Lynn, je voudrais vous remercier également de nous avoir donné la possibilité de nommer de nouveaux membres du MAG. Nous avons pu mieux nous connaître. Leurs noms sont en ligne. Bon, donc je souhaite plein succès à Carlo D'Afronso du Brésil, Maria Pascanal et d'autres régions du monde. Je leur souhaite plein succès au MAG. Alors, évidemment, n'oublions pas que l'IGF est un projet qui nous appartient à nous tous parce que précédemment, les membres de. Il y avait
des habitants de l'Amérique latine et des Caraïbes et qui se sentaient un tout petit peu délaissés. Mais maintenant, il y a des membres de cette région, c'est très, très bien. Et puis, c'est fantastique qu'il y ait de l'interprétation dans toutes les langues, mais c'est aussi grâce au fait qu'il y ait des orateurs dans ces langues. Vous savez, j'ai une amie qui est enceinte et qui suit de loin les débats, et merci pour elle. Maintenant, Lynn avait ouvert le nouveau système de communication, et notamment par le biais du café. Café. Et merci également à Mike Nelson, qui était un ancien membre. Et nous attendons véritablement avec beaucoup d'intérêt ces rapports. Nous continuons à avoir besoin de ces rapports. Georgia Tech. Tout d'abord, je vais dire les choses tout à fait positives. Merci, tout cela a été très, très intéressant. Merci également à nos hôtes français d'avoir organisé cette réunion. Très bonne organisation. Donc, je vais lire ce que j'ai préparé. La gouvernance de l'Internet a été, me semble-t-il, quelque peu perdue de vue. Séance après séance, eh bien, j'ai rarement entendu parler véritablement de la gouvernance de l'Internet, alors que véritablement, nous aurions pu faire quelque chose, nous aurions pu en parler, et c'est discuté dans d'autres instances. On ne peut pas véritablement parler de choses au niveau local et national. Nous sommes ici pour discuter de l'Internet au niveau global. Je ne suis pas ici pour changer le mandat, mais je voulais juste vous rappeler pourquoi nous sommes là. Nous devons parler de ce qui nous affecte, nous, et affecte nos valeurs. Je pense que je voudrais que le comité multipartie prenante écoute sa base pour transmettre un véritable message, un message qui puisse nous représenter, où nous nous sentions représentés. N'oublions pas pourquoi nous sommes là, la jeunesse, les genres, l'intelligence artificielle, les blockchains, c'est très, très important. Oui, mais dans leur lien à la gouvernance de l'Internet, c'est comme cela que nous pourrons avancer. Nous sommes ici pour parler au gouvernement, à la société civile, aux communautés techniques, etc., à d'autres avec lesquels nous n'arrivons pas véritablement à interagir. J'ai l'impression que nous restons un petit peu tous dans notre coin. Il y a d'un côté ceux qui prennent les décisions, mais nous sommes ici pour parler. C'est pour cela que nous sommes là, en principe. Et parfois, j'ai l'impression que nous ne parlons pas véritablement à ceux qui prennent les décisions. Nous n'arrivons pas véritablement à transmettre notre message. Merci. Alors peut-être il y avait deux personnes en ligne à distance, oui. Je pense qu'il faudrait établir une troisième file d'attente. Comment voulez-vous que l'on procède? All those beeps are promising, but if Ah, c'est des beeps prometteurs, mais bon. Si ça marche. So we can go to the next speaker and come back. It says you. Okay, sir. Thank you. My name is Ratin Patakuta. Je viens de l'Inde. Tout d'abord, toutes mes félicitations aux Nations Unies et au gouvernement de la France. Vous savez, je viens de l'Inde, c'est très très loin et j'ai beaucoup appris. Et j'ai toujours pensé que nous vivons l'époque la plus passionnante de l'histoire humaine. Et je suis persuadée que la technologie est quelque chose qui favorise terriblement, grandement, merveilleusement les choses. Alors bien sûr, la technologie, c'est fantastique, mais bien sûr, l'automatisation, la prolifération de la technologie, eh bien,
ça menace les emplois, ça crée une inquiétude quant à la perte d'emploi. Et l'année prochaine, en Allemagne, nous allons parler de la technologie et nous allons également discuter de la façon dont la prolifération de la technologie, la productivité, etc., comment est-ce qu'on peut voir le bon côté des choses. Et j'espère que nous allons pouvoir nous doter d'une feuille de route qui va permettre de créer des emplois. Je viens d'un pays, vous savez, l'Inde, où il y a 1,3 milliard d'habitants. Et on pense que 69% de tous les emplois à l'avenir seront liés à l'automatisation. Donc, en même temps, c'est une source d'attente, de promesses, mais de préoccupations. Merci beaucoup. Alors, qui a-t-on en ligne? Anya, vous êtes prête? Non? Bon, faites-nous signe dès que vous serez prêt. Allez-y. Je m'appelle Florence Poznanski. Je suis militante de l'ONG Internet sans frontières basée au Brésil. Et j'aimerais m'exprimer sur les discours du président Macron en ouverture, qui a fait couler pas mal d'encre dans les discussions, en tout cas ici beaucoup de débats. Et je pense en effet que c'était un discours riche, intense, et qui avait en tout cas la propriété donc, de nous poser un agenda complet, et on voit l'intention et l'intérêt qu'a apporté le président à ce sujet. Mais néanmoins, en tant que société civile, j'ai quelques éléments sur lesquels j'aimerais compléter. Alors effectivement, s'il est important d'attirer l'attention sur l'importance de la régulation, notamment des puissances démocratiques, comme il l'a dit, Internet ne peut pas être un espace sans loi, ou bien contrôlé par des puissances non élues. Il est important que donc, l'ensemble de l'opinion publique et du débat public puisse investir l'espace d'Internet. Je pense qu'il y a aussi un biais dangereux à considérer qu'Internet serait l'unique responsable de la véhiculation des discours de haine ou bien de la radicalisation, puisqu'on sait que Internet est aussi un espace où on voit s'exprimer les choses qui existent en dehors de l'Internet. Et lorsqu'on voit, par exemple, dans le monde, la montée de puissances contre les droits humains, antidémocratiques, fascistes, nationalistes, on sait que c'est un processus bien plus global dans lequel Internet est intégré. Et on sait également que c'est le résultat d'une certaine série de phénomènes économiques qui ont conduit à certaines précarisations sociétales. Et je pense que du coup, Internet ne peut pas être le seul coupable, ou en tout cas indiqué dans cette situation pour pouvoir subir les conséquences en termes de régulation. Et je pense que même si nous partageons effectivement ces valeurs démocratiques, lorsque le président Macron dit « oui, ce sont nos valeurs, il faut défendre nos valeurs et nos idées pour qu'Internet soit comme ça », je pense qu'il y a un biais particulièrement dangereux sur cette discussion-là. Et lorsqu'on parle de neutralité, il est important de rappeler que la neutralité, elle s'applique bien aux données et pas au contenu. Et je pense que c'est important justement de garder à l'esprit cette idée. Et enfin, je voudrais m'exprimer aussi sur l'appel de Paris, sur la sécurité et la confiance sur Internet. Je pense qu'il est effectivement très bienvenu de voir une coopération entre les États se produire et se développer. Mais il est inquiétant de penser qu'on puisse penser la régulation et la sécurité des données sans discuter la surveillance pratiquée par les États, sans parler également de la nécessité de protéger l'anonymat et la cryptographie. Et il nous semble a priori impensable de penser une protection du cyberespace sans que ces débats soient réellement posés. Merci. Thank you. Merci, Salah. Merci, Lynn. Salah Niet. Membre du MAC sortant, mais je parle à titre individuel. Tout d'abord, un grand merci au gouvernement français pour la très, très bonne organisation. Merci au secrétariat de l'UNDESA. J'ai écouté des commentaires du public, mais je pense que notamment ceux qui veulent apporter leur contribution, eh bien, je les engage, je les incite
à apporter leur contribution à la première grande réunion mondiale MAC. Nous allons de toute façon vous envoyer le lien pour que vous apportiez ces contributions rapidement, puisque nous sommes en train de faire le bilan. Et tout à l'heure, j'ai présidé une séance, j'en ai modéré deux cette semaine, et c'est très très important de faire le bilan, par exemple, du thème l'Internet de confiance. Peut-être ce dont nous avons confiance, c'est justement ce nous manquons dans le monde, c'est de confiance. Et la peur, l'attrait pour l'argent. Ce sont des moteurs de la crainte, c'est ce qui attise la méfiance. Et parfois, et d'ailleurs c'est le président Macron qui a parlé de deux types d'Internet, une Internet plutôt de type californien et plutôt de type chinois. Mais de mon côté, de notre point de vue, eh bien, il nous semble qu'effectivement, là, c'est toute l'approche de la surveillance, du contrôle qui est en jeu. Et donc, je pense qu'il faudrait revenir sur ces questions de surveillance et notamment les lier au thème de notre conférence, à savoir la gouvernance pour l'année prochaine. Merci. Alors, question en ligne. Maybe you can use the hand mic there on you. For some reason, those two mics aren't working. Bon, les deux micros ne semblent pas fonctionner. Je vais lire le commentaire. Le secrétaire général a renouvelé le MAG. Le MAG, la composition du MAG 2018 et 2019, ces 52 membres vont travailler à l'élaboration d'un programme pour le 14e IGF qui va avoir lieu en 2019 en Allemagne. Et ils vont discuter des différentes mesures, des différentes contributions et de la façon dont les futurs IGF peuvent également être plus efficaces. Merci beaucoup pour cette participation en ligne. Bon, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ça peut être efficace. Et pour l'année prochaine, nous allons veiller à ce que tout se passe le plus efficacement possible. Je voudrais lire une lettre ouverte au nom de la coalition de droits des réseaux. Du 12 au 14 novembre à Paris, la coalition droits d'Internet du Brésil voudrait réitérer sa vision des menaces après l'avènement du gouvernement Bolsonaro. L'Internet brésilien a connu de grandes avancées, notamment pour ouvrir, pour mieux protéger les droits de l'homme, pour ouvrir et mieux protéger les personnes, pour une meilleure gestion démocratique, une meilleure gestion de l'information, pour une meilleure communication par le biais de gouvernance de l'Internet multi-parties prenantes. Véritablement au sein du Brésil, les droits d'Internet, la protection juridique aujourd'hui est véritablement menacée. Nous avons toujours essayé de trouver un équilibre entre les différents groupes de la société. Notre plateforme est le fruit d'une collaboration qui travaille sur la mise en place de principes qui ont été
accepté au niveau international de principes, de garanties, de droits et de devoirs. C'est devenu une véritable référence mondiale. Nous avons également essayé d'articuler notre travail avec le travail au sein de l'Union européenne, le RGPD. Nous avons essayé de garantir la confidentialité des politiques d'accès les plus inclusives possibles, tenant compte de l'équilibre à trouver entre les nouvelles technologies et le cadre juridique protecteur. La loi également a fourni les bonnes bases pour la mise en place de construction de politiques publiques qui se serviraient des données, mais dans un cadre très, très bien déterminé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le gouvernement élu a annoncé que la réglementation et le contrôle des droits privés et des données privées seraient maintenant l'apanage d'une instance militaire, ce qui, pour nous, sape totalement les bases des libertés démocratiques. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire preuve de vigilance accrue pour veiller à ce que la sécurité des communications, les libertés individuelles et collectives ne soient pas mises à mal. La participation démocratique des différents secteurs doit être assurée. La confidentialité, la vie privée doivent être préservées. Et nous devons être très vigilants quant à le recours au chiffrement, mais également avoir la possibilité, nous, en tant que société, en tant qu'individu, avoir la possibilité de protéger nos données. Nous continuons, nous, à travailler au sein du système éducatif, au sein des groupes de chercheurs et universitaires. Nous continuons donc à travailler à l'amélioration de l'Internet au Brésil, de ses infrastructures. C'est dans ce sens que la coalition des droits des réseaux dénonce les pratiques qui viennent d'être adoptées, notamment dans le cadre de la campagne électorale. Un certain nombre de plateformes Internet ont acquis une position dominante sur le marché des réseaux, par exemple WhatsApp et d'autres programmes ont essayé d'influencer les élections justement par le biais, grâce à cette position dominante, que nous sommes très préoccupés par cette situation. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à respecter le temps de parole pour que nous ayons du temps pour tous les participants. Bonjour, je m'appelle Susania Rehring. Je suis membre du comité exécutif du dialogue de l'Europe du Sud-Est sur la gouvernance Internet et coordinatrice de l'IGF Turquie. Je parle ici en tant que chef du groupe de travail pour la participation des jeunes à la gouvernance Internet pour 2018. Ce groupe a été lancé dans le cadre de l'YCIG, la commission de coordination des jeunes pour l'IGF, et nous avons commencé à identifier des ateliers qui pouvaient impliquer les jeunes en association avec des experts de la jeunesse qui pouvaient être présents ici à Paris. Nous avons organisé une dizaine d'ateliers. Malheureusement, seuls deux ou trois personnes ont répondu, où les jeunes étaient invités à intervenir simplement depuis la salle. Or, personne n'a besoin d'une invitation pour participer à l'IGF simplement en étant dans la salle. Donc c'est une réponse extrêmement décevante pour nous. Nous avons consacré énormément de temps et d'efforts à ces travaux. Nous aimerions insister là-dessus. Et donc je pense que nous devrions arrêter d'organiser la jeunesse et de parler de la jeunesse comme s'ils n'étaient pas présents dans la salle. Et ne pensez pas aux jeunes comme si c'était des gens qui ne connaissaient rien à rien, puisqu'il y a des jeunes qui sont des entrepreneurs, des militants très impressionnants. Ce sont les politiques de demain et ils sont vraiment impressionnants. Et donc même si notre coalition porte l'intitulé jeunesse, nous devrions peut-être aller au-delà de cette définition et arrêter de voir la jeunesse comme seulement la jeunesse. Ce sont des membres d'un groupe de parties prenantes
qui ont la malchance d'être jeunes. Donc j'espère que cela va changer pour l'année prochaine. Et un dernier point, et je vais seulement dépasser de 10 à 20 secondes mon temps de parole. D'autres ateliers s'appellent Mouvement IGF pour les jeunes, mais n'ont absolument pas communiqué pour l'organisation, soit avec l'YCIG, soit avec l'IGF jeunes. Or, ce sont des informations qui sont disponibles publiquement sur Internet, et donc ces efforts se déroulent dans des silos. C'est extrêmement décevant, et je pense que c'est une perte de temps pour tout le reste, puisque comme cela a été si bien dit aujourd'hui, lorsque nous faisons les choses ensemble, les choses ont beaucoup plus de sens plutôt que de reproduire les choses ad vitam aeternam dans des groupes fermés. Donc merci. Merci, des points très intéressants et très pertinents dont nous prendrons bien note pour l'année prochaine. Vous avez la parole. Tifosta, en fait, je viens de la communauté numérique de Guadeloupe, dans la Caraïbe, et je voulais remercier en fait le comité d'organisation France et l'AGF pour ma première participation, et puis l'Organisation internationale de la francophonie qui a fait un vrai travail envers les francophones pour diffuser l'information, et partager avec vous une remarque que j'ai faite au niveau du café en fait de l'AGF avec Renata, à savoir deux points. Première chose, en tant que caribéenne, j'ai voulu assister à la réunion LAC aujourd'hui. Ce n'était qu'en espagnol. Mon voisin qui est à gauche, on parle créole tous les deux, on parle anglais tous les deux, on parle français tous les deux, mais c'était qu'en espagnol. Donc ça a été vraiment comme un rejet parce que je ne parle pas du tout l'espagnol. Il n'y avait aucun élément matériel pour pouvoir assister. Donc il y a vraiment une nécessité, pour dire quel que soit l'élément, qu'il y ait au moins un écrit dans une autre langue, parce que c'est un minimum de respect pour les autres communautés. Deuxième élément, c'est que hier au soir, j'ai voulu voir comment se construisait le modèle multipartenarial pour la cybersécurité en Afrique. Donc j'assiste à cet événement. Il se trouve que les organisateurs, les personnes qui participent, sont totalement sur une notion de modèle, on va dire, très nord-américano-centré pour l'Afrique. Je trouve ça un petit peu dommage comment on peut parler de, je vous ai indiqué, je suis intervenue en disant comment vous voulez penser en fait la notion de cybersécurité sur par rapport à l'Afrique, alors que une part des points de faille en cybersécurité, c'est des éléments culturels. Donc la moitié de l'Afrique parle français, la moitié de l'Afrique a une autre façon de penser, et on va leur imposer un modèle, un seul modèle, et en parlant de notion de multipartenarial. Ce n'est pas possible, donc il faut vraiment changer ça. Ne serait-ce qu'avoir une notion de addendum vers les autres, même si il y a une réflexion anglaise qui en avance, travailler sur cette notion de consultation par la suite pour dire que c'est un modèle réellement multipartenarial. On ne peut pas parler de global si on est vraiment concentré sur une communauté et une logique de pensée. Merci. Merci beaucoup. Anya? Anya, pour notre participant en ligne. Les interprètes feront ce qu'ils peuvent pour entendre la communication en ligne. Bonjour, je m'appelle Lorenz. Je voudrais parler depuis le Remote Hub à Abuja, au Nigeria. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de suivre les événements à Paris. Je voudrais commencer par remercier l'équipe pour tous les efforts qui ont été consentis pour établir une connexion avec la Réunion. Lundi aussi, nous avons eu l'occasion de suivre les différentes sections en nous connectant directement à l'outil WebEx par le biais de YouTube. Si cela n'avait pas été disponible, nous n'aurions eu aucune chance d'assister à la réunion. Je suis sûr que cela a demandé énormément d'efforts, donc je voudrais remercier tous ceux qui les ont faits. Et une nouvelle fois, je voudrais vous remercier de nous avoir donné l'occasion d'assister à cette conférence en live à Abuja. Nous avons suivi les séances dans l'une des salles. Si nous avons bien compris, le dernier orateur était l'un des participants à cette session.
et il était difficile de suivre ce qui se passait simplement parce que la session n'était pas en anglais. Alors je sais que nous avons des casques avec de l'interprétation dans les différentes salles, mais nous ici, sur le Digital Hub, il y a beaucoup de participants qui vous suivent en ligne. Et donc peut-être qu'il pourrait y avoir une communication standardisée pour éviter d'avoir à plisser les yeux pour voir ce que les gens disent en regardant la transcription à l'écran. Néanmoins, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Merci. Merci beaucoup et merci à toutes celles et tous ceux qui participent à distance. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour mes amis. Меня зовут Евгений, Российская Федерация. Евгений, Fédération de Russie. Je travaille en coopération avec les services administratifs. Alors, Internet, maintenant, est la propriété de tous. Et c'est une sorte de cybercopie de notre monde. Ça n'est plus réservé soit aux militaires, soit aux universitaires. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur une autorégulation de ce monde-là. Tout comme dans la vie réelle, eh bien, nous avons des réglementations nationales, nous avons des textes juridiques internationaux. Et dans ce milieu virtuel, eh bien, là aussi, nous avons besoin d'une réglementation commune, d'une réglementation internationale. Alors, il y a deux jours, le président Macron a dit qu'il y avait en fait deux méthodes, deux approches, l'approche californienne et l'approche chinoise. Mais peut-être il faudrait arriver à un équilibre dans la gouvernance de l'Internet. Alors, la Russie estime que les États, les organisations intergouvernementales ont un grand rôle à jouer. Alors, je parle évidemment d'organisations telles que l'ONU, l'UNESCO, l'Union internationale des télécommunications. Nous estimons que les États ont des droits, mais des devoirs également, de défendre la souveraineté de leur pays, de défendre les intérêts souverains de leur pays. Et chaque pays doit également avoir une approche qui tienne compte des spécificités nationales sur la façon dont les données sont gérées, dont elles sont manipulées. Ça, c'est une chose. Mais bien sûr, il ne faut pas ici, évidemment, passer d'une extrémité à l'autre. Il faut avoir une approche commune et une approche équilibrée. Il y a une centaine de pays, plus de 3000 participants à ce forum. Nous avons entendu un grand nombre d'interventions, un grand nombre de questions posées. Je suis persuadée que grâce à ce forum, nous allons pouvoir trouver des solutions. Et la Russie est toujours intervenue pour la création, pour la mise en place d'un système de renforcement de la confiance sur la toile, pour la mise en œuvre également de normes, de principes et de valeurs internationaux pour une meilleure régulation de l'Internet. Nous sommes pour également la mise en place d'un mécanisme unique de réglementation de l'Internet. Et les règles devraient être élaborées et adoptées par toutes les parties prenantes. Un grand merci à tous les intervenants pour la diversité de leur point de vue. C'est très utile. Merci. Derek, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Derek O'Halloran, Forum économique mondial. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs et nos hôtes. Je voudrais vous féliciter pour l'organisation de cet excellent IGF. Merci également à tous les bénévoles. Je voudrais également saluer tous les membres de la communauté qui ont coopéré à explorer ces sujets si importants au cours des années, l'accès à Internet, l'inclusion, la collection de données, l'Internet des objets, etc. Sur un sujet un petit peu différent, il y a quelques semaines, j'ai lu le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique. Et j'ai eu l'impression que tout le monde devrait arrêter ce qu'il fait et travailler là-dessus. Mais pour moi, c'était une piqûre de rappel du sens du travail que nous faisons, puisque notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de la lutte contre le changement climatique, avec également les objectifs de développement durable,
tout cela et voit ses opportunités décuplées par Internet et les nouvelles technologies. Mais le problème d'Internet et des technologies... Mais si ces problèmes finissent par être plus grands encore que les problèmes qu'ils entendent résoudre, nous nous trouverons dans une situation pire qu'avant. Et donc dans ce contexte, et avec toutes les discussions qui existent sur l'évolution du Forum pour la gouvernance d'Internet, je voudrais ici exprimer le soutien plein et entier du Forum économique mondial afin de renforcer la gouvernance d'Internet. Et en tant qu'organisation multipartie prenante et orientée sur des objectifs, le Forum économique mondial dispose d'un réseau très différent mais très complémentaire de celui de l'IGF. Et donc j'encourage toute la communauté à réfléchir aux forces et aux faiblesses de ces communautés à l'horizon 2019 et ensuite. Merci. Thank you, Derek. Do we have another online? Merci, Derek. Avons-nous d'autres participants en ligne, Anya? Hello. Yes, we can hear you. Hello. We can hear you. Please go ahead. Nous vous entendons. Allez-y. Je m'appelle Amir Mouad Mari. J'ai un doctorat en gouvernance de l'Internet. Je voudrais dire quelques mots et vous remercier pour l'excellente organisation de cette réunion. Nous avons un rêve commun, un rêve numérique. Libre, démocratique, transparent, multilatéral, basé sur des règles éthiques et universel pour son modèle de gouvernance dans le cadre des Nations Unies. Nous avons besoin de la gouvernance d'Internet. Nous devons lutter contre l'unilatéralisme numérique. Car tout cela est l'ennemi héréditaire du numérique. J'espère qu'un jour, dans un avenir proche, ce rêve commun se réalisera. Nous avons tous besoin de la gouvernance d'Internet. Nous devrions tous être conscients de nos rôles et de nos responsabilités dans le monde numérique. Merci. Thank you. I think that was the end, but I want to make sure. Merci. Je pense que monsieur avait fini. Nigel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, madame la présidente. Il y a 2 ans, à l'IGF, j'ai parlé de la contribution de la jeunesse. La contribution de la jeunesse pour nous, pour la démocratie. J'ai dit à quel point nous avons besoin des jeunes dans le paradigme de la gouvernance d'Internet. Peut-être que c'était inutile. Peut-être que ça n'arrivait pas à point nommé. Mais il semble clair que les jeunes et la jeunesse, comme nous l'avons vu à chaque fois que nous travaillons avec eux, comme nous l'avons entendu de nos collègues de Brésil, de Turquie, du Mexique et des autres pays membres du Forum, les jeunes sont à la pointe. On peut les appeler un groupe de parties prenantes à part entière, mais on pourrait aussi dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'Internet. Donc pas besoin pour moi de parler de la jeunesse aujourd'hui. L'année dernière, à Genève, mon lieu de résidence, nous avons parlé de l'IGF. Nous avons parlé de l'avenir de ce forum. Nous avons parlé de la lutte que nous devons mener pour sauver le forum. Nous nous inquiétions de l'instabilité à venir de ce forum. Nous nous inquiétions parce qu'il n'y avait pas assez de parties prenantes présentes dans la salle pour que l'IGF fasse vraiment honneur à sa nature multipartie prenante. Mais pourquoi étions-nous inquiets? Regardez ce que nous avons vu ici depuis quelques jours, grâce à Paris, grâce à la France, grâce au président. Et j'ai failli parler français ici, mais je ne vais pas me mouiller à ce point. Cet IGF a été une véritable source d'inspiration. La France a remis l'IGF sur la carte du monde. Paris nous a inspirés. Mais, Madame la Présidente,
Nous avons d'autres points dont nous devons nous préoccuper, car comme nous l'avons entendu dans le discours du président Macron, il y a énormément de questions qui restent sans réponse en ce qui concerne Internet. Et pour moi, ça ne se divise pas en seulement trois groupes de parties prenantes. Alors peut-être qu'il y a un Internet chinois, un Internet californien, mais ne parlons pas de cela. Parlons ici de principes, parlons ici de valeurs qui doivent sous-tendre l'Internet vers lequel nous tendons. Un Internet ouvert, un Internet unique, un Internet libre, où tout le monde peut jouer son rôle, où tout le monde peut contribuer à l'innovation, à l'éducation et à la passion. Un Internet où tout le monde peut faire quelque chose et apporter sa contribution à la société. Un Internet auquel tout le monde peut se connecter. Et Madame la Présidente, si c'est cela que nous voulons, quel meilleur endroit pour discuter de réglementation? Pas avec une partie prenante, mais à cet excellent IGF qui rassemble tant de personnes si différentes afin de poser les jalons de l'avenir de cet atout que nous devons tous chérir. Merci. Thank you, Nigel. And I'm already looking forward. Merci Nigel et j'attends déjà avec impatience notre forum de l'année prochaine. Vous avez la parole, monsieur. Merci, je m'appelle Khalid Brahim. Je suis directeur du Centre du Golfe pour les droits de l'homme. Ici, je parle au nom des organisations de la société civile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Je voudrais commencer par remercier les bénévoles et toutes les personnes qui se sont impliquées ici dans l'organisation de cet IGF en France. C'est le troisième forum auquel je participe. Et une fois de plus, je me rends compte que la région dont je viens est peu représentée. Environ 22 ateliers ou sessions se sont concentrés sur la cybersécurité, un sujet très important. Mais 22 sessions, ce n'est que trop peu par rapport à l'importance de ce sujet. Dans ma région, nous avons énormément de problèmes dans ce sens. Le manque de neutralité du net, manque d'accessibilité, déficit de liberté d'expression sur Internet. Et cela est dû à notre loi sur la cybercriminalité. Certains de nos collègues sont emprisonnés simplement parce qu'ils publient quelque chose sur Facebook ou sur Twitter. Et donc, je crois fermement que les droits de l'homme doivent se placer au cœur de l'IGF et de tous les IGF. Je l'ai soulevé l'année dernière et je le refais cette année. Et j'espère que les membres du MAG répondront à ce problème de représentation de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Nous avons rencontré aujourd'hui les représentants de la région et nous avons déjà cherché des problèmes. Il y a de nombreuses solutions possibles, par exemple un sous-forum pour la région MENA à l'occasion du prochain forum, mais d'autres mesures pourraient encore être prises en considération. Mais j'espère que cette fois-ci, les membres du MAC vont vraiment prendre à bras le corps le problème qui existe dans cette région. Merci. Merci. Plus de participation de la région MENA ainsi que d'autres régions, c'est particulièrement important au MAG. Et effectivement, nous avons eu un groupe de travail pour l'élargissement de notre communauté, mais nous avons effectivement besoin que les communautés nous aident à prêcher la bonne parole au jour le jour. Merci beaucoup. Ania, est-ce que nous avons quelqu'un sur Internet? Sinon, nous allons continuer. Ania? You want to come back in a minute? On reviendra dans une minute vers les participants en ligne. Alors, à qui le tour? Si Mamadou Lo, membre du comité préparatoire sur la gouvernance de l'Internet, je vais parler à ma capacité propre, sénégalais, membre du secteur privé. Je voudrais juste saluer ici l'effort fait par le secrétaire du FGI à propos de la traduction des contenus dans les 6 langues des Nations Unies. Je pense que c'est une excellente initiative qui nous permet de parler à tous. Nous les encourageons vivement à aller de l'avant et même aller vers la création de contenu direct dans d'autres langues sans passer par la traduction.
Cela aide vivement dans la sensibilisation et la communication. Et la communauté tout entière devrait ici être prête à soutenir ce projet. Cela nous aidera aussi à adresser le sujet critique sur le multilinguisme et le multipartisme, gage de diversité et d'inclusion. Nous ne pouvons pas gouverner Internet sans tout le monde, mais passer par la langue nous permet d'avoir tout le monde. Merci à tous. Thank you, Mamadou. Merci, Mamadou. Vous avez la parole, madame. Hi, everyone. This is Shanna. Bonjour à tous, je m'appelle Shanna, je suis ambassadrice pour les jeunes pour la mission Asie, pour le forum IGF de la région Asie-Pacifique. C'est la première fois que je participe à un IGF et au cours des trois dernières journées, j'ai fait tout mon possible pour être présente à autant d'ateliers et en lien avec la jeunesse, autant que possible. En tant qu'ambassadrice pour les jeunes de la région Asie-Pacifique, je me rends bien compte qu'il est absolument essentiel de traiter au sein de l'IGF les questions auxquelles sont confrontées la région Asie-Pacifique, notamment du point de vue des jeunes. L'Asie-Pacifique est une région très diverse qui regroupe différents environnements culturels, différents niveaux de langue et de développement culturel. J'espère que les jeunes de différentes régions et de différents milieux sociaux pourront être invités à ces ateliers afin de porter la voix des jeunes au sein de l'IGF et j'espère que les discussions entre jeunes seront plus interactives à l'avenir dans le cadre des ateliers et la configuration du dialogue nous permettra également d'échanger plus avant sur nos expériences, nos opinions et nos différentes remarques. Notre objectif est d'éliminer la fracture du numérique et de faciliter l'amélioration du niveau d'inclusion dans un contexte de développement rapide de l'Internet. Merci. Merci beaucoup d'avoir respecté votre temps de parole. Je vais devoir fermer la queue dans un moment si nous voulons terminer cette session en ce moment. Donc, je vois les personnes qui sont ici. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-vous dans la queue maintenant, sinon il sera trop tard. Miguel. Merci beaucoup, Lynn, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup au gouvernement français de nous avoir accueillis à cet IGF de grande qualité. C'est une occasion de préparer déjà 2019 avec beaucoup d'espoir. Merci au secrétariat et merci à Madame la Présidente pour tout le travail qui a été mené en commun avec le MAG pour élaborer le programme de cette conférence. Je voudrais commencer par remercier tous les participants puisque ce forum multipartite n'aurait pas été possible si chacun et chacune d'entre nous avait été présent. Vous êtes parfois venus de très loin pour être ici et pour nous cette participation est une contribution très importante. Et je m'excuse, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Miguel Candia, je suis membre du MAG, je représente le gouvernement du Paraguay. Je voudrais également ajouter un autre point. Lorsque nous revenons en rétrospective sur cet IGF, il est important de revenir sur les thèmes qui nous ont motivés cette année. Mais cela doit être un pont qui sera poursuivi l'année suivante. C'est un mandat important pour le MAG, dont je suis membre, et je serai encore membre l'année prochaine. Je pense que cela devrait guider l'action extérieure de notre MAG, de l'IGF, en commun avec les Nations Unies. N'oublions pas que l'IGF est absolument unique dans le système des Nations Unies, et il a des relations avec d'autres forums, par exemple le forum de haut niveau du secrétaire général sur les questions numériques. Nous devons prendre en compte l'opinion de toutes les communautés, et notamment les pays en développement et les petits États insulaires en développement. Merci. Thank you, Miguel. Sir, you have the floor. Monsieur. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement. C'est toujours une excellente occasion de rencontrer des collègues et des amis. Mais nous avons toujours une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents, ce qui ne fait que donner plus d'importance aux questions d'accessibilité. Et c'est quelque chose qui compte personnellement à mes yeux, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un très bon ami à moi. Or, il est en prison, en Égypte. Pourtant, Wael est peut-être le parrain de la communauté de blogueurs en Égypte, et il n'est pas là, même s'il fait partie des gens que nous célébrons. Il fait partie
des trop nombreuses personnes dans le monde qui font partie de notre communauté, ces personnes dont les voix, dont nous voudrions entendre et applaudir les voix, mais très souvent, trop souvent malheureusement, que ce soit au Vietnam, au Rwanda, en Égypte, en Palestine ou ailleurs, lorsqu'ils sont inquiétés par les autorités, nous les oublions. Donc je voudrais vous inciter toutes et tous à parler, à penser à mon ami et à d'autres, à tous ceux qui ne peuvent pas être présents parce qu'ils vivent dans des régimes autocratiques, et je vous incite à vous souvenir de leurs noms et de penser à eux en tant que les individus qu'ils sont et non pas en termes de chiffres. Sur ce, merci de nous avoir accueillis. Thank you. Anya, are we ready with the online? Merci. Est-ce que la queue en ligne est prête? Bonjour. Je vais lire le commentaire de Alfredo Velasco qui représente une fédération d'usagers d'Internet en Équateur. Nous voulons qu'Internet soit pour tout le monde, tout le temps. Nous voulons un Internet libre, qui soit sûr, qui soit ouvert. Pour ce faire, ces espaces doivent absolument se renouveler. Ils doivent impliquer une participation de tout le monde. Ils doivent donner un espace à tous. Les gouvernements restent les absents de marque, que ce soit dans les forums internationaux ou dans les forums nationaux. Or, ce sont bien eux qui sont appelés à participer toujours plus pour parler de ce grand sujet dont nous ne parlons jamais. La sécurité ne doit pas interférer avec l'exercice de nos droits. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez la parole. Hi everyone. My name is Amin Husseinov. Bonjour, je m'appelle Amin Husseinov. Je viens d'Azerbaïdjan. Je suis militant des droits de l'homme, en exil malheureusement. Depuis 2012, quand l'Azerbaïdjan a accueilli l'IGF, nous avons été présents et nous pensons vraiment que le rôle de l'IGF est prédominant pour promouvoir la liberté d'Internet. Et quand l'IGF est organisé en Azerbaïdjan, c'est une occasion en or de développer la liberté de l'Internet dans notre pays. Malheureusement, 6 ans plus tard, la liberté de l'Internet est totalement inexistante en Azerbaïdjan. Et je parle ici au nom des voix qui ne peuvent plus s'exprimer, tous ceux qui ont été tués et emprisonnés, mon collègue comme Mirman Galandarov, j'essaie de vous montrer sa photo. Il a été emprisonné en avril 2017 et le gouvernement a annoncé son suicide. Mais il existe des dizaines de personnes qui sont emprisonnées sans pouvoir consulter un avocat. Et je parle ici au nom de Mirmat Husseinov, mon frère et le président de notre organisation. Il a été exposé à une corruption de très haut niveau et depuis 2012, il s'est rendu en tant que représentant de la société civile à l'IGF. Mais aujourd'hui, il fait face à une poursuite en diffamation. Il n'a pas le droit de s'exprimer et il a été arrêté en mars 2017. Pendant 5 ans, il était comme otage de son propre État. Aujourd'hui, ces gens ont besoin de votre solidarité. J'ai vu beaucoup de ses amis ici. Si vous voulez rejoindre notre campagne pour la solidarité, l'anniversaire de mon frère arrive bientôt le 24 novembre. Eh bien, je voudrais inviter mes amis Rebecca McKinney et Christophe Deloy qui ont proposé de mettre en place une campagne. Soutenez mon frère, s'il vous plaît. Et la raison pour laquelle mon frère est en prison, c'est parce qu'il a exposé le problème de la corruption et du népotisme dans mon pays. Et il a été jeté en prison simplement pour ses opinions politiques. Par la première dame de l'Azerbaïdjan, qui est également ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Nous voulons que son mandat soit révoqué. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à des dirigeants qui utilisent ces pouvoirs pour promouvoir et légitimer leur régime autocratique. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you. Sir, you have the floor. Merci, vous avez la parole. Madame la Présidente, je m'appelle Kossi Yamesinou, je viens du Bénin. Je suis le vice-président du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin.
Je voudrais faire deux propositions. La première relative au nombre d'ateliers parallèles. Je note qu'il y a trop de similitudes entre les sujets abordés. On peut réduire encore les ateliers parallèles et avoir des ateliers qui ont une durée au-delà de 90 minutes pour permettre qu'il y ait beaucoup plus d'interactions et donner la chance aussi aux modérateurs de session, en fin de session, de pouvoir prendre 2 à 5 minutes pour faire une synthèse sur les idées fortes à retenir au niveau des sessions. La deuxième idée est relative à la notion de gouvernance. Je retiens que de plus en plus, l'on remet en cause le mot gouvernance dans la définition du forum sur la gouvernance de l'Internet. J'ai interrogé un peu la littérature, je me rends compte que ceux qui l'évoquent n'ont pas tout à fait tort que ça. Il y a même des difficultés d'interprétation de ce mot-là dans certaines langues. Et nous nous rendons compte aussi, en venant à l'IGF, que les sujets que nous abordons font beaucoup plus référence à la notion d'appropriation qu'à la notion de gouvernance. Il est souhaitable, et je le propose, que nous puissions remplacer, si les Nations Unies en conviennent, le forum sur la gouvernance de l'Internet par le forum de l'appropriation de l'Internet, simplement. Merci. Thank you, Kosi. Merci, Kosi. Alors, il va vraiment que je mette un terme à la possibilité de faire la queue, de vous inscrire dans la file d'attente. Bien sûr, vous allez pouvoir vous inscrire en ligne, mais s'il vous plaît, ne faites plus la queue, il va falloir s'arrêter. Merci. Tim Ashton, je suis membre du MAG, secteur privé. C'est mon deuxième mandat. Merci beaucoup. Merci à l'UNESCO. Merci à la France également d'avoir organisé l'IGF cette année à Paris. Je suis ravie d'être là. Je voulais ici vous faire part de trois petits messages qui émanent de notre séance sur le thème de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'ICC, notamment pour les personnes handicapées. Alors, trois messages qui sont ressortis de cet atelier, de cette table ronde. Que peut-on faire pour mettre à disposition les nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap? Alors, tout d'abord, l'intelligence artificielle doit faire l'objet d'une meilleure diffusion d'informations. Nous avons besoin également de partenariats privés, publics, et nous avons également de cadres politiques, et ce, pour aborder les questions générales, les questions économiques, sociales et politiques. Et donc, nous avons besoin de tout cela pour les personnes en situation de handicap, mais peut-être si nous nous demandons à tous pourquoi nous sommes ici, ce que nous attendons de l'IGF, je suis persuadée que nous aurions les mêmes réponses. Nous sommes ici pour partager des informations, pour les diffuser, pour entendre ce qu'ont à dire nos homologues. Nous sommes là pour construire des partenariats et pour trouver les bonnes mesures politiques qui pourraient nous aider à profiter de ce qu'ont à nous offrir ces nouvelles technologies. Donc, je compte beaucoup sur mon prochain mandat, sur le mandat qui commence au sein du MAG. Je compte beaucoup sur le prochain IGF. Je compte beaucoup également sur mes collègues, pour renforcer notre efficacité. Et rendez-vous à Berlin. Anya, peut-être en attendant? Donc, j'avais proposé aux personnes de ne plus... J'avais suggéré que plus personne ne vienne s'inscrire. Ça valait également pour ce qui se passait en ligne. Je viens de la Gambie, société civile. J'étais à Mexico en 2016, au moment des élections. Alors, ce que nous avions suggéré lors de ce forum, c'était une meilleure implication de la société civile par l'IGF. Souvent, lorsqu'il y a des IGF, eh bien, on
on invite des représentants des gouvernements, mais surtout du pays hôte. Ici, tout le monde était ravi que le président Macron soit venu parler. Ça, c'est très, très bien. Mais peut-être que des régions entières, comme l'Afrique, pourraient également être représentées à un très, très haut niveau, ministres et autres, parce que dans un grand nombre de nos pays, il n'y a pas véritablement de loi sur l'Internet. Et il faudrait qu'ils entendent ce qu'on a à leur dire. Et puis, dans notre région, notamment en Gambie, l'Internet, c'est très, très cher. Il n'y a pas de connexion dans un grand nombre de zones. Et donc, il est véritablement question d'un Internet plus abordable pour tous. Et pour cela, nous avons besoin de plus d'investisseurs. Peut-être que les Nations Unies pourraient mettre la main à la pâte et pourraient également travailler avec les investisseurs, parce que les populations ont besoin de l'Internet. Et je pense que l'IGF, eh bien, devrait être une de ces plateformes où on discute de tout cela et où on puisse entendre les voix qui ont quelque chose à dire, notamment dans nos pays. Très bien, merci. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Samalo Samassa. Je viens du Ghana. C'est au net Afrique. Merci aux organisateurs. C'est la première fois que je viens prendre part à l'IGF en tant que représentant de la jeunesse. Bon, il y a un grand nombre de sujets qui ont été ici abordés. J'ai préparé un grand nombre de séances. Beaucoup de choses très, très intéressantes ont été dites. Mais peut-être tout le monde ne comprend pas véritablement ce dont nous parlons. Nous avons besoin de mieux tenir compte des besoins des jeunes, d'une meilleure explication, d'une meilleure prise de conscience de tout cela. Et parfois, nous avons une sorte d'idée un petit peu unilatérale. Il faut connecter les gens. Bon, d'accord, il faut les connecter, mais pourquoi faire ? Eh bien, les personnes, une fois qu'elles seront connectées, ça serait pour faire quoi ? Il faudrait qu'ils puissent agir également en ligne. Il faut que ces personnes puissent avoir quelque chose à faire et pour qu'ils puissent profiter de ces technologies. L'IGF, ou les représentants de l'IGF, essaient d'envoyer des ambassadeurs sur le terrain, mais ça, c'est très, très bien parce que ça permettrait d'avoir une sorte d'effet multiplicateur. Ainsi, des milliers de personnes pourraient être dotées de véritables compétences numériques. Et ça permettrait à son tour de créer des emplois. Et c'est bien de prêcher l'inclusion numérique, mais il faut que les emplois suivent derrière. Merci Hans Kleinen de Georgia Tech, merci à la France d'avoir organisé cette réunion. Je voudrais parler du rôle des États, des gouvernements dans la gouvernance de l'Internet. Tout à l'heure, j'ai parlé du rôle de l'État et j'avais été quelque peu préoccupée par le rôle que pouvaient jouer les États. Et puis on m'a dit oui, les États, ça peut être la solution, les États peuvent trouver des solutions, oui. Peut-être, d'accord, lorsqu'il s'agit de criminalité transfrontalière, de cybercriminalité, lorsqu'il s'agit de la radicalisation en ligne des jeunes, d'accord, les États peuvent faire quelque chose, mais parfois ce sont les États eux-mêmes qui créent les problèmes. Et après, on cherche à régler les problèmes qu'ont créés les États. Alors là, on a parlé par exemple de l'expansion de l'OTAN, d'une nouvelle guerre froide, une nouvelle stratégie des conflits qui ont débouché sur des cyberattaques. Alors voilà, peut-être que la première solution, ça serait de ne pas provoquer ces attaques, ça serait tout simplement de trouver des solutions au niveau géopolitique et pas simplement sur l'Internet, parce que l'Internet ne fait que répercuter des problèmes qui existent déjà par ailleurs. Nous avons, donc j'ai parlé de la radicalisation des jeunes en ligne, notamment
la radicalisation islamique, eh bien, là, nous en sommes pratiquement là où nous en étions il y a plusieurs années. Un certain nombre de guerres ont été menées au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Libye. Et c'est à partir de cela qu'il y a une radicalisation en ligne. C'est le fait des États. Maintenant, nous essayons de trouver de nouveaux modèles de gouvernance de l'Internet. Nous inquiet de ce que peuvent faire les États, mais je pense que c'est aux États en premier lieu de ne pas s'adonner à de tels jeux géopolitiques. Merci. Anya. So, voy a leer un comentario de Karina Virarda de. Je vais lire un commentaire de Internet Society. Merci à IGF. Je représente la communauté technique de Internet Society et cybersécurité. Nous sommes unis autour de l'idée de la mise en place d'un Internet neutre, sûr, pour tout un chacun. Et pour cela, nous devons nous assurer d'une participation véritablement multipartie prenante pour qu'il y ait des représentations nationales et régionales les plus équilibrées. Merci beaucoup. Merci Rebecca Crosby. Je représente la communauté, les communautés religieuses. Il y a 20 ans, j'ai travaillé dans un pays, dans un pays de l'Afrique subsaharienne et il y a eu, vous savez, il y a eu une... Tous les 15 jours, eh bien, je devais faire un voyage de plusieurs heures, de 7-8 heures pour aller en ville. Et ensuite, quand j'étais en ville, eh bien, je devais passer 8-9 heures pour... frapper à différentes portes, banques, hôtels, compagnies multinationales, pour essayer de passer un coup de fil, pour essayer de passer une communication. Bon, évidemment, tout cela a beaucoup changé, mais j'ai connu cela. Et si je vous dis cela, c'est que parce que j'ai connu ce déséquilibre, j'ai connu cette inégalité dans la possibilité de transmettre des messages et la communication. Et je sais à quel point nous avons avancé. C'est la première fois que je participe à l'IGF et je sais que l'accès à la communication, c'est un droit humain. Mais c'est bien beau d'avoir ce droit, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, ça ne sert à rien. La semaine dernière, j'ai entendu un millionnaire africain et qui avait envoyé ses enfants dans un hôpital européen, mais lui, eh bien, on l'a retrouvé mort avec son téléphone portable à la main. Mais il est mort, tout simplement. On l'a retrouvé mort dans la rue. Pourquoi ? Eh bien, parce que il avait bien un téléphone portable, mais il n'y avait pas de connexion Internet. Il n'a pas pu appeler les secours. Voilà, donc... C'est bien d'avoir des droits, mais il faut avoir les infrastructures derrière. Merci, merci beaucoup. Suzanne. Merci à nos hôtes français, merci à l'UNESCO. Merci au département des Nations Unies des questions économiques et sociales. Et... Je suis désolée, bon, le micro est un petit peu bas. Voilà, je vais le prendre à la main. Très bien. Merci Aline. Merci d'avoir si bien organisé ce 13e IGF. Et les États-Unis soutiennent l'approche multipartie prenante. Et donc l'IGF, les discussions, les débats dans le forum multipartie prenante sont enrichis par les perspectives des différentes parties prenantes. La collaboration entre différents acteurs est indispensable pour que l'Internet fonctionne. Et il s'agit d'une institution multipartie prenante et non pas multilatérale, où les questions de la gouvernance sont au mieux traitées. Évidemment, nous devons trouver des consensus entre les différents acteurs et non pas entre les gouvernements. Dans un an, nous nous retrouverons au
14e IGF à Berlin et nous aurons une expérience de 13 ans. Et le MAG et l'IGF en général possèdent toutes les informations nécessaires pour améliorer encore son efficacité, pour répondre encore mieux aux besoins des différents groupes et également des gouvernements. Nous devons aujourd'hui affiner notre travail, affûter nos outils pour fournir des résultats encore plus intéressants, encore plus pertinents. Et aujourd'hui, nous ne pouvons travailler dans un cadre de négociations et de compromis comme ce à quoi sont habitués les gouvernements. Non, ici, nous travaillons à différents niveaux. Et aujourd'hui, nous avons une bonne stabilité, nous avons une bonne expérience et nous pouvons véritablement entendre la voix des différentes communautés et des différents groupes pour lesquels nous travaillons. Merci. Je m'appelle Mira Salamala. Je suis militante de Finlande. Et je suis finlandaise, donc j'irai droit au but, comme on fait chez nous. Nous voulons tous un Internet plus sûr pour nous-mêmes, pour nos enfants. Mais nous n'y arriverons pas par plus de surveillance, par plus de terreur et plus de restrictions. Non, je pense que c'est l'information et la compréhension qui sont les solutions. La technologie avance rapidement et l'éducation ne suit pas. Les gens ne savent pas comment assurer leur protection, comment se défendre, comment défendre leurs enfants face à des prédateurs éventuels et comment se protéger leur santé mentale également, car les temps peuvent être très, très déprimants. Et donc, je pense que les écoles devraient également apprendre aux enfants à prévenir le cyberharcèlement, le harcèlement en général, devraient également apprendre aux enfants à utiliser les réseaux sociaux ainsi que l'Internet en général, et ce de façon sûre mais responsable. L'Internet est une source fantastique d'informations, est une source de dialogue. Nous pouvons y créer, nous pouvons y voir des créations, des œuvres d'art, mais aujourd'hui nous devons renforcer la confiance parce que l'Internet doit servir les gens et pas la technologie. Merci beaucoup. Vous avez la parole, allez-y. Let me go to the queue over here, Mark, then, and if somebody... Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier le microphone de ce côté de la salle? Et en attendant, nous allons vous donner la parole. Mike, gouvernement du Royaume-Uni. Bonjour à tous. Donc, je travaille au département des médias numériques et du sport. Merci au gouvernement français. Bon, David Martin n'en est plus là, mais oui, il est sorti. En tout cas, merci d'avoir fait preuve d'une telle verve et d'une telle énergie dans un style inimitable. Un grand merci au comité de pilotage, au secrétariat, à Changata et au MAG. Merci pour tout le travail qu'ils ont effectué pour préparer cette manifestation. Et également, merci d'avoir piloté le travail intersessionnel parce que ce n'est pas un événement maintenant unique, ponctuel, mais le travail se poursuit pendant toute l'année. Même si on manque de ressources, et je vais y venir dans un instant. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que cette année, nous avons eu une vingtaine d'experts gouvernementaux ici à l'IGF. C'est le plus grand nombre depuis le début de l'IGF. Nous avons également des experts de notre
régulateur ou de notre instance de réglementation britannique. Cela veut dire que nos décideurs pensaient que c'était tout à fait fondamental d'être ici pour parler avec les différents acteurs, experts, représentants de la société civile, les techniciens, etc. Et j'espère qu'il y aura encore plus de gouvernements qui vont comprendre à quel point il est important d'être là et qui vont permettre à leurs décideurs politiques de venir ici, qu'ils trouveront le temps pour venir discuter avec les différents partenaires, parce que nous sommes persuadés que ce n'est que comme cela que nous allons enrichir notre travail. Le gouvernement britannique se félicite du travail du MAC, notamment dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission des sciences et techniques pour le développement, et ce pour améliorer bien sûr le travail de l'IGF, mais également dans le cadre de la retraite des Nations Unies pour 2016. Merci d'avoir bien travaillé et sur l'analyse des résultats, sur le bilan. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est effectué dans ce cadre-là. J'espère que ce travail va pouvoir être poursuivi en visant le 14e IGF et en essayant de tout faire pour que cet IGF à Berlin l'année prochaine soit encore plus réussi, si c'est possible, que celui-là. Et nous avons bien entendu votre appel à d'autres gouvernements, à d'autres États, pour qu'ils puissent accueillir l'IGF. C'était très important de lancer cet appel parce que bon, ça a été déjà deux fois organisé en Europe. Je pense que c'est important de changer de continent. Et autre message. Et vous savez, il y a le fonds en dépôt des Nations Unies qui finance tout cela. Et sans ce financement, rien ne serait possible. Le gouvernement britannique a été un grand contributeur annuel au fonds en dépôt depuis le début de l'IGF. D'ailleurs, nous allons augmenter notre contribution. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous avons besoin de plus de financement. Surtout au vu du travail intersessionnel très, très important qui est mené. Nous avons besoin d'un véritable secrétariat. Je me tourne vers Anya parce qu'elle a fait énormément de travail dans le domaine pendant la période d'intercession, mais elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée. Je me tourne vers les gouvernements, vers les États, mais également vers le secteur privé. Et j'espère que ce message sera entendu et le gouvernement britannique va continuer à lancer ce message par les différents points de contact et par les différents réseaux. Merci beaucoup. Oui, on aurait pu vous interrompre, mais franchement, on s'en est abstenu parce que, au vu de l'importance de votre appel. Benita Izeminga, je suis de la République démocratique du Congo, chargée de projet au sein de Numérique 243 qui milite en faveur de l'inclusion numérique au sein de la communauté africaine. Avant mon premier IGF, je ne savais pas que l'accès à l'Internet était un droit et que surtout c'était aussi, ça faisait partie des droits humains. Mon pays est membre des Nations Unies, de l'UNESCO, et dans les pays africains, l'Internet est vendu très cher à la population. Alors, sachant cela, je fais appel à ce forum, aux Nations Unies et à l'UNESCO, de se pencher davantage sur les mesures à prendre face aux coupures d'Internet générales que nous sommes en train de subir, et surtout à la prise en otage de notre droit à l'accès à Internet, droit à la liberté d'expression et de l'information. Merci. Merci beaucoup. You have the floor. Merci, vous avez la parole. Je réponds. Avant tout, je remercie Madame la Présidente, je remercie AFNIC, je remercie aussi Shangatai et toute l'équipe, et merci à la France aussi et à l'UNESCO. Je réponds au nom de Abdedjeril Bacharbon. Donc, je suis le secrétaire exécutif du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad.
Et merci pour cette opportunité. Donc, j'ai quelques recommandations et quelques suggestions. Donc, concernant les NRIs, les NRIs jouent un rôle vraiment primordial dans le cadre du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Donc, nous, en tant que secrétaire exécutif du Tchad, nous souhaitons un mécanisme de financement durable, que ce soit pour les NRIs, pour l'organisation de leur forum, que ce soit leur participation à ce forum. Et surtout, comme il y a une fenêtre des UN Trust Fund, donc on peut utiliser cette fenêtre à louer un montant pour cela. Puisque IGF-SI fait un travail formidable que nous souhaitons les remercier, parce que via leur financement, on arrive à organiser nos IGF, en plus avec la mobilisation des ressources en local. Et aussi, surtout, la place de la jeunesse au niveau du forum sur la gouvernance de l'Internet. On a déjà parlé, même j'avais fait une intervention lors de IGF Mexico, on a parlé de la place de la jeunesse dans la gouvernance de l'Internet, parce que nous avons besoin des jeunes. Sans jeunes, il n'y a pas les leaders de futur. Donc c'est vrai, AISOC est en train de faire un programme formidable, les ambassadeurs, les Next Gen. Donc nous sollicitons au niveau du MAC aussi, pourquoi pas au niveau de IGF en tant que tel, créer un petit programme de sensibilisation, même si c'est amener 2, 3, 4 jeunes d'y participer, et surtout les jeunes, les écoliers, etc. Et aussi la participation de la communauté locale. Ici, par exemple, si on organise IGF en France, aujourd'hui, on doit avoir plus d'étudiants qui ont des relations plus avec la gouvernance de l'Internet. Et concernant les workshops, parce que quand vous allez dans le site de IGF, les workshops, c'est, il faut postuler en anglais, toujours en anglais, les résumés en anglais, tout est en anglais. Et comme maintenant, vous avez dit, la diversité linguistique exige, donc il fallait que les workshops, on peut postuler dans la langue des Nations Unies, c'est vraiment primordial aussi. Et la recommandation concernant la restauration au niveau de IGF, c'est primordial aussi. Donc il faut voir des mécanismes pour avoir la restauration gratuite aussi. Et aussi, j'adhère à l'idée de lancer les débats sur les changements de nos IGF, parce que pour ne pas avoir de confusion. Et dernier point, je remercie aussi les secrétariats d'IGF, parce qu'Anja a fait un travail formidable. Donc il faut plus de ressources humaines au sein des secrétariats et beaucoup plus d'appui technique et financier aussi. Je vous remercie. Thank you. Merci. Vous avez la parole. Vous avez été très, très patient, surtout les derniers. Vous avez la parole, allez-y. Everyone, my name is Camille Latham. And Camilla Latham, chargée de recherche à l'Université de Bath au Royaume-Uni. Il y a un grand nombre de personnes qui ont parlé d'accessibilité, de représentation des différents groupes, mais peut-être, ce qui est important également, c'est de comprendre que nous appartenons tous à une grande communauté, la communauté des chanceux qui connaissent l'existence de l'IGF, et une communauté qui connaît les concepts liés à la gouvernance de l'Internet, qui sait de quoi elle ressort. Alors, j'ai entendu un certain nombre de critiques quant à l'absence de résultats concrets. Oui, mais beaucoup ont tendance à oublier que, vous savez, bon, et au-delà de l'absence de résultats concrets, quand même, l'IGF existe pour discuter. C'est un lieu de débat, d'échange d'idées. Les gens peuvent ensemencer des idées qui ensuite se développeront et croîtront et deviendront de belles forêts d'idées. Et donc, peut-être qu'il faudrait réfléchir à la façon dont nous communiquons les résultats, comment est-ce que nous parlons avec ceux qui ne connaissent rien de la gouvernance de l'Internet, ceux qui n'en font pas un sujet de conversation quotidien. Peut-être il faudrait inviter plus d'enseignants, ils seraient très très intéressés, je ne sais pas, il faudrait inviter des juristes, des personnes en fait qui ne connaissent pas forcément l'existence même de l'IGF, mais qui, eux, apportent une contribution et en nous écoutant, eh bien, ils pourraient en faire part dans leur milieu. Et puis, je ne sais pas, moi, ils pourraient apporter des idées fraîches que
nous avons tendance à oublier parce que nous avons tendance à nous retrouver entre nous. Merci. The Secretary General said philosophers and so- Comme le secrétaire général l'a dit, les philosophes, les experts en sciences sociales et en sciences politiques, il faudrait de manière générale une participation plus large. Monsieur, vous avez la parole. Merci, je m'appelle Ethan Sweet, je viens du Royaume-Uni. Je représente le programme Jeune Internet Society. C'est mon premier IGF. Et je me suis rendu compte que ce forum est une plateforme de dialogue entre toutes les parties prenantes. Et donc il était particulièrement décevant de voir qu'hier, en raison des problèmes de salle, nous n'avions absolument pas la place de faire rentrer toutes les parties prenantes dans la salle. Cela a été le cas à deux événements auxquels je me suis rendu, celui sur l'intelligence artificielle et l'éthique, et celui que j'avais prévu en tant que second couteau. Je ne me souviens plus du titre, désolé, je ne l'ai pas noté, mais bon. Nous devrions vraiment réfléchir à la bonne répartition des salles. Peut-être demander de manière préalable qui veut assister à quel événement pour nous assurer que tout le monde ait une place à chaque événement auquel il veut participer, même si on ne peut pas non plus tenir les gens de participer à l'événement auquel ils se sont inscrits. Il semble qu'il y ait une grande disparité entre les événements. Certains événements donnent la parole à la salle à la moitié, d'autres ne donnent absolument pas la parole à la salle, ce qui pour moi est très décevant. Donc nous devrions également donner plus de place à la salle et un petit peu moins de place au panel, puisque la salle représente les parties prenantes. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas venu ici simplement pour écouter des conférences, puisque bon, ça, je l'ai déjà fait sur Internet. Merci. Merci. Monsieur, vous êtes le dernier orateur. Nous avons fermé la queue il y a une demi-heure et nous avons déjà débordé. Donc désolé pour vous, monsieur. Mais merci beaucoup. Bonjour, hola, hello, je m'appelle Peter Tonoli, je viens de Electronic Frontiers en Australie. D'abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers les Nations Unies et la République française pour l'organisation et la logistique de cet événement. C'est la première fois que je participe à un IGF, donc je suis désolé si mes commentaires me donnent quelque peu une allure de béotien. Après de nombreuses interactions avec l'IGF, je ne me suis jamais senti aussi petit dans un monde aussi grand. Mais je suis très heureux d'être si petit puisque nous sommes tous des citoyens du monde, nous qui sommes ici. Nous devons nous rappeler de certains des objectifs qui sont communs à tous, l'ouverture d'Internet. Et ce que je me suis demandé après avoir entendu le discours de M. Macron, c'est est-ce que l'Internet peut être ouvert malgré toutes les réglementations qui ont été citées au cours des trois derniers jours, n'y a-t-il pas une ligne qui sépare la réglementation et la souveraineté d'une part, de l'ouverture d'Internet d'autre part? Si les réglementations s'empilent, nous devrions pourtant donner la parole à nos citoyens. Pourquoi devrions-nous réglementer contre les fake news? Plutôt que de porter un regard critique sur les médias, pourquoi bloquer la société plutôt que de bloquer les médias? Nous aurons besoin d'un rôle actif des citoyens pour que les réglementations à venir aient du sens. Les citoyens doivent pouvoir faire confiance au gouvernement et les gouvernements doivent faire bon usage de cette confiance. Et il faut que ce climat de confiance puisse être créé. Et cela fait écho à ce qu'a dit mon collègue de Georgia Tech. De nombreux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui et dont nous avons discuté aujourd'hui sont le résultat direct de l'action des États. Par exemple, l'élection de Trump aux États-Unis, la montée de l'extrême droite et la poussée du nationalisme. Dans ce contexte, nous devons persévérer et impliquer la société civile et nous appuyer sur l'alliance entre le gouvernement et les Nations Unies. Thank you. That finishes our stock taking. Merci, nous avons fini notre session stock taking. L'ambassadeur Martineau et moi-même allons délivrer nos propos de clôture dans un instant.
Bon, je voudrais remercier tout le monde, je voudrais vous rassurer, tout cela a été noté, cela a été transcrit, ce sera transmis au MAG ainsi que dans les groupes de travail, afin que nous puissions y réfléchir. Nous n'avons pas beaucoup parlé dans cette session pour entendre la salle, mais et sachez que vos remarques ont bien été prises en note. Je redonne la parole à Chang Getai qui va nous détailler le reste de notre ordre du jour. Merci beaucoup, je voudrais faire écho à ce qu'a dit Lynn, nous avons bien noté tout cela et nous garderons cela en tête pour préparer notre forum l'année prochaine. Nous en arrivons à la dernière section de cette réunion. Avec les remarques de clôture, je voudrais commencer par inviter le ministre Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, à venir nous présenter ses propos. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci à tous d'avoir passé ces quelques jours à Paris, merci à tous d'avoir pu ces dernières heures débattre, échanger. Je suis honoré, très honoré de clôturer avec vous ce soir cette première édition parisienne de l'Internet Governance Forum. J'en suis d'autant plus honoré que vous avez pu assister hier à un événement mémorable. Cet événement, c'est le nouveau souffle que nous avons tous donné ici, à l'idée de ce que pouvait être la gouvernance de l'Internet, un nouveau regard sur la gouvernance de l'Internet, une gouvernance juste, une gouvernance efficace et une gouvernance qui donne confiance aux citoyens. Cette ambition, le président Emmanuel Macron l'a rappelée avec force lors de son intervention, ici, lundi, devant près de 4000 personnes. Cette conviction, elle a résonné dans ces murs, mais bien au-delà. Et nous en avons discuté ensemble. Avec certains d'entre vous, certains sont intervenus depuis. Parfois, nous avons débattu avec passion. Alors, parce que nous savons tous que les choix que nous ferons aujourd'hui en matière de gouvernance seront décisifs pour l'Internet de demain, parce que nous savons tous, et certains d'entre vous plus que d'autres, que nous sommes convaincus que l'absence d'action des gouvernements n'est plus une option. Alors, face aux défis de ces sociétés, face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, et à l'heure de la maturité du numérique, il est venu le temps d'agir. Cette action, elle doit reposer sur deux ambitions essentielles qui ont été exposées par le président de la République pour la gouvernance de l'Internet. La première, c'est la volonté d'une régulation intelligente, et votre dernière intervention était très intéressante, c'est évidemment cette fine ligne qu'il s'agit de trouver. Et la seconde, c'est ce sujet très important du multilatéralisme ouvert. Et j'y reviendrai. Vous le savez, le président de la République l'a rappelé, la France défend une conception innovante de la régulation. La volonté de régulation que nous avons affirmée, ce n'est pas une régulation à l'ancienne, une régulation d'hier avec les vieilles recettes. Il ne faut pas y lire des contraintes. Cette régulation, ce n'est pas le laisser-faire. Cette régulation, ce n'est pas non plus la contrainte indiscriminée, aveugle, qui paralyserait tous les acteurs, qui nuirait aux utilisateurs et qui empêcherait un Internet ouvert, comme vous l'avez rappelé. La régulation que la France propose, c'est une nouvelle régulation basée sur des objectifs, des valeurs, et c'est une voie européenne qu'il s'agit pour nous de construire, de définir. C'est tout le sens de la signature de la France du Contract for the Web qui a été proposé par Tim Berners-Lee. La France a été le premier pays à rejoindre cette initiative à l'occasion du Web Summit à Lisbonne. C'est aussi le sens de l'initiative Tech for Good, que nous avions lancée il y a près de 6 mois, et qui vise à mobiliser tous les acteurs du numérique autour d'objectifs d'intérêt général. Alors, au service de ces objectifs, nous assumons la régulation, parce que cette régulation, ces objectifs d'intérêt général, ils sont une aspiration de nos populations, de nos citoyens. Mais nous prenons une régulation intelligente. Celle que nous proposons, elle est basée sur la responsabilisation des acteurs et sur la responsabilisation et l'engagement des régulateurs. Elle se fonde à la fois sur une transparence accrue sur les moyens, une transparence qui aujourd'hui fait cruellement défaut. Et elle permet d'innover dans les instruments qui sont mobilisés, pourvu qu'ils soient au service des objectifs fixés. Elle associe toutes les parties prenantes ensemble, notamment et surtout la société civile, à la définition de ces objectifs. Cette régulation,
Elle est aujourd'hui souhaitée par une majorité d'acteurs, en Europe et dans le reste du monde. Mais cette régulation, c'est aussi le choix de la responsabilité. Parce que le laisser-faire a été l'option privilégiée jusqu'ici, et que ce laisser-faire montre aujourd'hui toutes ses limites et qu'il nous est reproché par tous les citoyens. Et parce que la réglementation inadéquate, la sanction excessive, qui conduit les acteurs à des comportements de surapplication, de surinterprétation des règles, et qu'elle ne constitue pas non plus une option viable en matière d'innovation et en matière démocratique. Il nous revient donc ensemble d'identifier cette troisième voie praticable. Alors l'une des priorités qui a été posée par le président de la République, c'est la lutte contre le discours de haine, les discours racistes, les discours antisémites, et bien sûr contre les contenus illicites. La neutralité, elle est absolument nécessaire et fondamentale au niveau des réseaux, mais elle ne doit pas entraîner nécessairement une indifférenciation quant au contenu. La France a toujours été un soutien de la neutralité du net, mais cela ne nous empêche pas de peser sur le sujet des contenus. Et c'est là que, si l'on se met d'accord sur la nécessité d'avancer sur ce sujet, il faut que l'on soit capable, dans cette démarche, de repenser le multilatéralisme appliqué à ces sujets. Si on se met d'accord sur l'objectif d'une meilleure régulation, il faut se donner les moyens pour y arriver. Le fonctionnement actuel de l'IGF, il repose sur l'association de l'ensemble de la communauté, et cette association, elle est fondamentale, elle est le cœur de ce qu'est l'IGF, mais je dirais même qu'elle est le cœur de ce qu'est Internet. L'implication de la société civile, du secteur privé, c'est ce qui assure que la réflexion qui est menée ici est en phase avec les promesses de la technologie, avec à la fois les capacités des entreprises du numérique et surtout d'être certain qu'elle résonne avec l'ensemble des causes et des ambitions qui sont portées par les acteurs de l'innovation numérique. Cette association des parties prenantes, cette dimension multipartite de l'IGF, la France compte plus que jamais la soutenir, compte plus que jamais la soutenir pour trouver des réponses aux défis structurants auxquels nous devons aujourd'hui encore répondre. Alors c'est dans cette démarche d'ouverture que nous avons soutenu hier l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui doit permettre de renforcer la coopération internationale et notre capacité collective à prévenir les attaques les plus déstabilisatrices. C'est avec cette ambition que j'ai signé hier l'initiative pour une démocratie durable, qui doit nous permettre de mettre l'innovation technologique au service de la participation citoyenne et de la modernisation de nos démocraties dans le fonctionnement quotidien. Pour autant, si nous voulons bâtir des règles et si nous voulons les adopter ensemble, il faut que les États, qui demeurent les seules entités souveraines, puissent se mettre autour de la table et puissent les adopter. Et cela, ça implique, en complémentarité de la réflexion menée par les différentes parties prenantes, de renforcer la dimension multilatérale de l'IGF. C'est tout le sens de la proposition exprimée par le président de la République. Cette envie, ce besoin de multilatéralisme, ce n'est pas juste une vision française ou une vision européenne, c'est aujourd'hui une vision, une aspiration portée par de nombreux États à travers le monde, qui se sentent aujourd'hui dépossédés d'une part de leur souveraineté face à ces défis numériques et qui d'autre reçoivent la pression de leur population face à toutes ces transformations qui inquiètent. Alors parce qu'aujourd'hui, Internet est une réalité avec des enjeux pour les citoyens du monde entier et que leur gouvernement, qui incarne leurs inspirations, eh bien, il faut que nous soyons capables d'entendre leur voix et il faut qu'avec leur engagement, nos engagements, nous puissions ensemble construire cet avenir. Alors nous avons lancé en France, en juillet dernier, des états généraux qui visent à consulter l'ensemble des acteurs sur les défis immenses auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de numérique. La raison pour laquelle nous les avons lancés, ces états généraux, c'est que nous voulions donner à la France une voix pour décider nationalement, mais une voix aussi pour décider au niveau européen et au niveau international quelles seraient nos positions. Et cela, nous l'avons construit. Il nous a permis de construire cet agenda français. Et dans les prochains mois, ce que nous souhaitons, ce que le président de la République a rappelé encore, c'est comment construire ensemble cet agenda européen avec ce Parlement nouveau qui arrivera d'ici quelques mois, quel agenda européen avec cette nouvelle Commission, mais quel agenda mondial nous porterons ici à l'IGF et quel agenda mondial nous porterons face à tous les défis qui nous attendent. Alors ne perdons pas de vue ce cap international. Il y a différentes opportunités de discussion à venir. Il y a le G7, le prochain G20,
l'IGF de l'année prochaine. Et je tiens à remercier très fort nos collègues allemands qui hébergeront l'année prochaine cette IGF réinventée, cette IGF nouveau, cette IGF engagée, un IGF encore plus multipartite, un IGF encore plus multilatéral, un IGF encore plus important. Si vous deviez retenir une seule conviction de ce que je vous ai dit ce soir, c'est la confiance absolue que nous portons dans l'IGF et la volonté que nous avons d'en faire un véritable objet de discussion, un véritable objet de pouvoir dans lequel des décisions pourront être prises. Et pour cela, il faut qu'on prenne tous notre responsabilité d'acteur. Et dans cette responsabilité, eh bien, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur, mais aussi la chance, la possibilité de voir devant nous se transformer cette gouvernance pour aller dans un sens que certains d'entre vous ont souhaité depuis parfois des décennies. Je vous remercie à toutes et à tous. Thank you very much, Minister. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole aux représentants de la communauté sélectionnés par le MAG pour dire quelques mots. Nous avons d'abord Madame Noha Ashraf Abdelbaki, qui vient de Digital Grassroots, une organisation qui a mis en place un programme de bénévoles pour le renforcement des capacités. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Noha, N-O-H-A, Abdelbaki. Je suis égyptienne. Je suis ambassadrice d'Internet Society, du Forum de la gouvernance Internet et cofondatrice de Digital Grassroots, une initiative de jeunes dans la gouvernance Internet. Je suis très honorée d'être ici pour représenter la voix de la jeunesse dans sa cérémonie de clôture du FGI en 2018. L'Internet de confiance, thème de cette année, et l'Internet où tout le monde est représenté, y compris les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et d'autres groupes marginalisés. Les jeunes en particulier, les jeunes femmes, sont souvent confrontés à des défis dans les espaces de gouvernance d'Internet dominés par les hommes. Il existe un gros besoin de créer des espaces en ligne et hors ligne, sûrs et ouverts, pour un dialogue inclusif entre les jeunes et toutes les parties prenantes. Digital Grassroots est une initiative dirigée par les jeunes. L'initiative est née lors du FGI 2017 à Genève par l'intermédiaire des Internet Society Youth at IGF Fellows, originaires de 10 pays différents. En moins d'un an, nous avons formé des jeunes dans plus de 40 pays tant en anglais et français sur les principaux de la citoyenneté numérique et nous leur avons fourni des conseils sur la manière de contribuer et participer efficacement au niveau de leur communauté locale et dans des autres sphères de la gouvernance Internet. Aussi, grâce à la collaboration avec des différents acteurs, comme les chapitres d'Internet Society, un iLab du secteur privé et Internet et tout, de la société civile, nous avons organisé des événements dans différents pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie pour diffuser notre vision. Les cofondateurs et les ambassadeurs ont participé à différents forums nationaux et régionaux sur la gouvernance Internet, les écoles sur la gouvernance Internet et d'autres événements dans le domaine. En définitive, nous remarquons que des réalisations concrètes sont effectuées lorsque la participation des jeunes au FGI est effective. Les jeunes apportent des perspectives différentes et proposent des solutions créatives et innovantes. En tant que jeunes, nous nous sommes unis pour exprimer notre préoccupation devant
le faible nombre d'ateliers acceptés. Nous nous sommes unis pour exprimer notre préoccupation devant le faible nombre d'ateliers acceptés sur le thème jeunesse et genre en 2018, ainsi que le faible nombre de participants. Nous avons fait une pétition adressée à la communauté du FGI pour augmenter la participation des jeunes au FGI. Tout le monde est invité à signer cette pétition pour meilleure prise en compte de nos préoccupations. Nous suggérons l'intégration des jeunes experts dès les premières étapes de la préparation du FGI et de les impliquer dans la conception et la sélection des ateliers. Nous sommes également préoccupés par le manque de programmes comme ceux d'Internet Society qui sont ouverts à la jeunesse de partout dans le monde. Pour les FGI à Berlin, nous espérons avoir une augmentation du nombre de bourses offertes et de participation des jeunes dans les panels. Enfin, pour terminer, je cite un de mes collègues qui déclare à sa 13e édition, le FGI a franchi l'âge d'adolescence. De ce fait, les jeunes sont donc les principaux acteurs de la réforme et du remodelage, car il s'agit de l'une des rares espèces de dialogue multipartite disponible dans lesquelles nous avons la possibilité de participer. Merci pour votre attention. Thank you for listening. Shukran lahusn istima'akum. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Noha. Notre prochaine intervenant est une intervenante, Madame Lise Four, directrice générale de l'Association des opérateurs de réseaux de télécommunications européens, ou ETNO. Your Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des acteurs du numérique, Mesdames et Messieurs, bonjour. Malheureusement, mon français ne me permet pas de faire mon discours dans la langue de Molière, donc je vais parler en anglais. Je suis directrice générale de l'Association des opérateurs de réseaux de télécommunications européens, l'ETNO, et donc ici je représente le secteur privé dans le cadre de l'action des entreprises pour soutenir la société de l'information. Comme vous le savez, l'ICC est le point focal mondial pour les interactions, pour tout ce qui concerne le numérique. Cette année, nous sommes arrivés à ce 13e forum sur la gouvernance d'Internet à Paris, dont le sujet était l'Internet de la confiance. Ici, il a été question de l'engagement du secteur privé pour nourrir la confiance à la fois en Internet et en les technologies de l'information et de la communication. Nous prenons nos responsabilités très au sérieux, non seulement parce qu'il en va de l'intérêt de nos entreprises de faire en sorte que les utilisateurs se sentent sûrs lorsqu'ils utilisent les technologies de l'information et de la communication, mais aussi pour renforcer et élargir cette participation qui implique autant de parties prenantes. Il est important que nous ayons une compréhension commune des questions qui nous préoccupent et que nous suscitions le désir de répondre à ces questions de manière collaborative. C'est une approche dont l'objectif est de promouvoir la confiance parmi tous les acteurs du secteur qui sont représentés ici aujourd'hui à l'occasion de l'IGF. Les entreprises sont présentes ici parce que nous pensons que ce modèle multipartie prenante pour la gouvernance d'Internet est très adapté. Tous les acteurs qui sont représentés ici sont assurés d'avoir une conversation franche et ouverte qui a une valeur inestimable dans l'objectif d'établir un cadre politique approprié pour la gestion du numérique. Il faut que les environnements politiques soient adaptés pour que les investissements durables et continus puissent perdurer à la fois dans l'informatique et dans l'innovation.
pour créer ce climat positif, nous avons identifié trois piliers fondamentaux. Le premier d'entre eux est le suivant. Nous devons faire en sorte que les écosystèmes informatiques soient interopérables en nous assurant que les applications d'infrastructures soient mises en place en faisant intervenir autant de parties prenantes que possible. Ensuite, nous devons avoir une approche politique holistique en tenant compte de toutes les questions qui interviennent ici et de toutes les options, qu'elles soient économiques, sociétales, culturelles, techniques ou encore liées à la gouvernance. Enfin, nous devons encourager tous les acteurs dans le processus de prise de décision. Chaque communauté d'acteurs partira aujourd'hui de l'IGF avec une compréhension plus affinée des besoins qui existent et des idées des uns et des autres. Cet environnement ouvert, qui permet la participation de tout le monde, y compris les entreprises, la société civile et les communautés techniques, sont l'outil le plus adapté afin de donner au gouvernement une approche à 360 degrés, ce qui permet au gouvernement de bien comprendre quelles sont les options politiques qu'ils ont à leur disposition. Il est absolument essentiel de préserver les caractéristiques fondamentales de l'IGF, un forum ouvert, inclusif, du bas vers le haut et ouvert à toutes les parties prenantes. L'IGF est un laboratoire d'échange, de discussion et de diffusion des meilleures pratiques, un lieu d'échange d'expertise, un lieu de renforcement de capacités ouvert à toutes les parties prenantes. C'est cette flexibilité, cette transparence et cette inclusivité qui sont les caractéristiques du modèle multipartie prenante de l'IGF qui ont permis à Internet de fleurir et de devenir une plateforme d'innovation et de développement économique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cela nous a également permis d'améliorer la connectivité et l'inclusivité d'Internet. Il est donc absolument impératif que ce modèle perdure à l'avenir. Nous ne venons pas ici pour négocier. Or, vous auriez tort de penser que les discussions que nous entendons ici à ce forum n'ont pas de conséquences concrètes. Les entreprises viennent ici pour tisser des liens avec la société civile, les gouvernements et les autres entreprises. Je pourrais citer comme exemple l'initiative Airband, une initiative prise par Microsoft dans le monde, l'objectif étant de réparer la fracture numérique en mettant à disposition des technologies sans fil à bas coût pour les communautés rurales partout dans le monde. De l'arrière-pays américain à l'Amérique latine en passant par l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ce projet a été mis sur pied à l'occasion de l'IGF de 2011 à Nairobi, où une démonstration préliminaire et des discussions nous ont permis de mettre en place à Nanyuki notre premier projet pilote au Kenya. Aujourd'hui, l'initiative a permis de mettre en place des partenariats avec les collectivités locales, les fournisseurs d'accès et les gouvernements afin de connecter ceux qui n'y avaient pas accès dans plus de 30 pays au monde. Mais je voudrais vous donner un autre exemple. Le programme Internet para Todos, Internet pour tous de Telefonica, qui a travaillé pour connecter le prochain milliard de personnes en coopération avec l'IGF. L'objectif est d'améliorer la connectivité dans les zones rurales. Ces projets sont uniques, mais leurs racines sont multiples. Il existe une multitude de projets qui ont trouvé leur source à un forum comme celui-ci, à un IGF. Notre devoir est de partager ces projets de la manière la plus large possible. En effet, en promouvant le contenu qui fait l'objet de discussions ici, nous pouvons faire en sorte d'obtenir des résultats concrets. À ce titre, les représentants du secteur privé au groupe de consultation multipartie prenante ont fait énormément de propositions pour améliorer les travaux de l'IGF. Mais l'IGF ne se termine pas ici aujourd'hui. Nous devons nous assurer que l'écosystème IGF et que tous les travaux de préparation pour ces discussions
soit disponible pour tous et que tous ceux qui ont un intérêt à contribuer puissent le faire. Avec cela en tête, le secteur privé est à la tête d'une initiative dans le MAG afin de promouvoir le cadre programme IGF. Nous sommes à l'écoute de vos avis, de vos opinions, et vous pouvez nous dire comment profiter au mieux de tout cela. Mesdames et messieurs, la communauté des affaires est votre partenaire pour créer un climat de confiance grâce à notre modèle multi-acteur. Il en va là de la nature intrinsèque de l'IGF, nature à laquelle nous attachons énormément de valeur. Nous attendons avec impatience de pouvoir continuer à travailler à ce forum unique afin de construire un Internet sûr, durable et centré sur les personnes, afin de réaliser la vision de l'agenda 2030 pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Merci. Thank you very much, Ms. Fur. Merci infiniment. Ms. Fur, je donne maintenant la parole à notre prochain orateur, Soumane Ahmed Sabir, donc directeur technique de Fiber at Home. Good evening, everyone, and thank you very much to the technical community. Merci à la communauté technique de m'avoir choisi pour la représenter, pour parler devant vous et pour parler également au nom du MAG. C'est la troisième fois que je prends part à un GF. Alors vous savez, la communauté technique ne se sent pas toujours forcément à l'aise dans son milieu naturel au MAG parce que les discussions sont parfois un petit peu abstraites, un petit peu théoriques. Parfois, on ne se sent pas très à l'aise, mais nous faisons de grands efforts pour discuter des questions, pour faire part des problèmes. Et puis, je pense pouvoir dire que dans le cadre du BPF, nous publions des documents, je pense, qui sont de valeur très intéressante, notamment dans le cadre du Forum des bonnes pratiques. Et ayant siégé au MAG, je peux vous dire que nous avons contribué à l'élaboration du programme pour l'IGF. Et je peux vous dire également que nous avons besoin peut-être d'un meilleur rééquilibrage. Les contenus ne correspondent pas véritablement à la réalité. Mais nous sommes toujours prêts à tendre la main, à chercher des compromis. Des compromis avec les autres groupes, avec les autres représentants. Et je pense que c'est ça qui apporte une véritable valeur ajoutée à nos débats. On demande de plus en plus de résultats tangibles, concrets à l'IGF. Le secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez entendu, le président français également est intervenu dans ce sens. Et il nous demande de plus en plus de solutions concrètes. Mais encore une fois, je viens du monde de la technique. Eh bien, nous savons qu'il y a un certain nombre d'aspects techniques sur lesquels nous pouvons travailler, sur lesquels nous pouvons agir, mais il y a d'autres aspects sur lesquels nous ne pouvons travailler qu'ensemble, qu'avec d'autres groupes, parce qu'il n'y a pas que les aspects techniques. Alors, au sein de l'IGF, eh bien, ce que je vois en tant que représentant du monde technique, eh bien, c'est que nous devons mieux expliquer peut-être les choses. Nous devons changer peut-être notre terminologie, la façon dont nous expliquons les choses pour que les choses soient plus claires. Et puis, nous aussi, nous devons essayer de mieux comprendre ce que les autres ont à nous dire. Donc, nos discussions, l'échange de nos points de vue en sera plus riche, on sera enrichi. Alors parfois, il ne faut pas trop simplifier les choses parce que l'enrichissement, c'est également aller dans les détails. Alors j'aimerais, bien sûr, que nous
trouvions des solutions techniques à tous les problèmes, à toutes les questions qui se posent. Évidemment, ça ne se passe pas comme cela. Mais peut-être que par le biais justement de la confiance, d'un renforcement de la confiance, ces problèmes, au moins, nous allons trouver le chemin pour trouver une solution. Voilà, un grand merci. Ça a été pour moi un grand plaisir que de prendre part aux travaux du MAG et de l'IGF. Et je souhaite un avenir radieux à la gouvernance de l'Internet. Merci. Monsieur Maurice Tchakchouk, directeur général adjoint pour la communication et l'information de l'UNESCO, vous avez la parole. Votre Excellence, invités, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de retrouver l'IGF et de participer à cette clôture de l'édition 2018 du Forum sur la gouvernance de l'Internet. J'ai raté les trois derniers, je participe à celle de la France, c'est un honneur pour moi. Les discussions de ces trois derniers jours nous ont permis d'aborder des questions essentielles liées à la gouvernance de l'Internet, mais surtout de retrouver des réponses ensemble afin de garantir la paix et un Internet de confiance, thème de ce forum. Les échanges que nous avons eus nous ont montré que lorsque nous parlons et pensons à l'accès universel à l'Internet et à l'avenir de la gouvernance de l'Internet, nous devons aller bien au-delà des questions liées à la connectivité et à l'infrastructure. Nous devons adopter une approche globale, prenant en compte, bien sûr, la dimension humaine et qui répondent aux défis en matière d'éducation, de compétences numériques et de diversité linguistique, de créativité, bien sûr, et de contenu disponible, tout en mettant en place des politiques favorables au développement et à l'essor de l'Internet. Pour l'UNESCO, le Forum de gouvernance Internet représente un événement majeur permettant d'assurer le suivi du sommet mondial sur la société de l'information et d'étendre nos horizons quant à la gouvernance de l'Internet. Nous sommes alors très heureux de vous avoir accueilli à notre siège, centre d'échange d'informations et laboratoire d'idées, qui fait de la gouvernance de l'Internet une priorité dans notre agenda et nos actions. Par le biais de nos travaux sur la promotion de la diversité linguistique sur Internet, sur l'augmentation de son accessibilité au profit des personnes handicapées et des populations autochtones, et de notre travail sur l'égalité des genres, l'UNESCO œuvre en effet à relever les défis d'un accès universel à l'Internet. Mais les travaux de l'UNESCO sur la gouvernance de l'Internet sont aussi étroitement liés à notre réflexion continue sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion des sociétés du savoir et de la bonne gouvernance. À cet égard, et dans la continuité directe du Forum de gouvernance Internet, l'UNESCO organise demain, en partenariat avec l'Internet Society et Mozilla Foundation, un débat ouvert sur l'intelligence artificielle. Il sera dédié à l'étude des implications technologiques, éthiques, politiques, sociales et juridiques du développement des applications de l'intelligence artificielle. Bien sûr, j'ai toujours le plaisir de vous inviter à participer à ces discussions, même en ligne, et qui s'annoncent particulièrement enrichissants pour nous et pour toute la communauté. Mesdames et messieurs, il reste encore beaucoup à faire pour créer un environnement en ligne où les droits de l'homme sont pleinement protégés et où l'Internet est véritablement accessible à tous. Les principes de l'universalité de l'Internet, prenant un Internet fondé sur les droits humains, ouvert, accessible à tous et alimenté par la participation de multiples acteurs, doivent nous guider dans cette perspective. Ils doivent permettre que l'Internet continue de bénéficier à l'ensemble de nos sociétés et des individus qui les composent et permettent de maintenir la confiance entre les différents acteurs qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à son développement à l'échelle universelle. Le Forum de gouvernance Internet l'a souligné. La gouvernance de l'Internet soulève encore de nombreuses questions. Nous devons garder ces questions à l'esprit, contenir nos dialogues inclusifs et poursuivre nos efforts collectifs visant à trouver des réponses durables aux défis de la gouvernance de l'Internet. Mesdames et messieurs,
Je ne pourrai pas conclure mon intervention sans remercier l'ensemble des participants, des intervenants et des organisateurs du Forum de gouvernance Internet. Je souhaite également exprimer ma gratitude à la France pour avoir accueilli le Forum de gouvernance Internet cette année, et je remercie en particulier l'ambassadeur et cher ami David Martinan. Merci David. Et bien sûr son équipe qui a travaillé acharnement pour réaliser cet événement, et notamment Delila Rahmouni, ainsi que Dier Bonis, que j'étais ravi de le rencontrer et de connaître, et le coordinateur du comité d'organisation. Leur travail atteste de l'engagement continu du gouvernement français de veiller à ce que la gouvernance de l'Internet, les technologies de l'information et de la communication, et plus largement de la transformation numérique, restent au cœur du programme de développement durable. Je tiens également à remercier Mme Lynn Saint-Amour, présidente du groupe consultatif multipartite, et son équipe, ainsi que tous les autres contributeurs qui ont pu permettre et mettre en place un processus inclusif, transparent et de préparation de ce fructueux forum. Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe de l'UNESCO, particulièrement Judith et Sarah, et Sacha plutôt, ainsi que l'équipe KAMAI et toutes les équipes qui ont travaillé au sein de l'UNESCO en partenariat avec le gouvernement français. Enfin, je tiens à remercier tous les participants qui ont cru à ce dialogue, qui en a vu qu'à un certain moment, on a vu un certain fléchissement de la communauté. Aujourd'hui, nous avons montré quand même qu'on a encore des choses à faire et que notre dialogue doit continuer. Donc la coopération réussie entre le gouvernement français et le groupe consultatif multipartite, le secrétariat du forum et l'UNESCO est un symbole fort de ce qui peut être réalisé à l'échelle internationale quand nous œuvrons ensemble pour une meilleure gouvernance de l'Internet. Au nom de l'UNESCO et au nom de Madame la Directrice Générale, Madame Azoulay, je tiens à réaffirmer notre attachement fort au Forum sur la gouvernance de l'Internet et vous remercier à tous pour votre contribution aux discussions de ces derniers jours. Je vous remercie bien pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci infiniment, Moïse. Présidente MAG de l'IGF, Lynn Saint-Amour. Bon, je vais essayer d'être brève. Au début de cette séance, j'ai déjà remercié un grand nombre de personnes, mais je voudrais remercier toute l'équipe MAG et qui m'ont grandement aidé pendant cette année qui s'est écoulée. Donc nous avons ensemble supervisé les différentes activités liées au programme, l'organisation, la réunion annuelle, toutes les activités intersessionnelles, notamment le forum des bonnes pratiques, les coalitions dynamiques. Nous avons travaillé dans le cadre de notre devise, de notre intitulé, à savoir connecter les non-connectés et connecter le prochain milliard d'utilisateurs. Nous avons travaillé sur un certain nombre de groupes de travail, sur l'amélioration de l'IGF, sur le plan de travail stratégique multiannuel, sur la mobilisation des fonds, sur la communication et également sur les questions liées à la sélection. Bon. Comme vous le savez, ces groupes de travail sont ouverts. Tout un chacun, nous allons continuer à discuter éventuellement de la création de nouveau groupe. Rien n'aurait été possible sans le soutien exceptionnel du secrétariat de l'IGF, Marilyn. Et nous savons que le secrétariat est donc Chengetai, Eleanor, Rayon Lewis. Ils sont très très peu nombreux, comme vous le savez. Ils ont fait un travail exceptionnel. Néanmoins, un grand nombre également de personnes qui les ont soutenus. Donc, merci, félicitations à vous. This year as well, we had strong support from staff in the Department of Economic and Social. Alors, département des questions économiques et sociales, un grand merci à vous, le président. Le président a été, nous ont grandement aidé. Denis et d'autres également sont là. Félicitations et merci. Et pour la première fois. Je ne sais pas sûre, mais je pense que pour la première fois, nous avons
un nouveau MAG qui est prêt à se mettre au travail dès demain. Donc à la fin de tous les IGF, les MAG quittent leur poste. Mais avant, il y avait un écart, un hiatus de 4 mois. Maintenant, ils vont se mettre à travail dès demain. Et je pense que ça va grandement bénéficier à tout le monde, à tous les MAG. Un grand merci au secrétaire général, merci au bureau du secrétaire général, à Fabrizio, qui a tout fait pour que cela puisse advenir. Et merci également à toute votre équipe. Bon, il était grand temps parce que nous avons entendu parler d'un grand nombre d'ouvertures de la part du secrétaire général du président Macron et on attend beaucoup, beaucoup de noms, de nous, un peu partout. Donc beaucoup de pain sur la planche. Nous devrons nous pencher sur ce qui est possible, ce qui est faisable dans le cadre de notre mandat et de nos ressources. Et comme nous nous basons sur la population locale, sur les différentes communautés, eh bien, nous allons bien sûr continuer à chercher un soutien pour que nos efforts puissent être encore renforcés. Nous savons que les gouvernements et le secteur privé sont de plus en plus intéressés. Ils veulent s'impliquer et il y a beaucoup de choses à faire et un grand nombre d'acteurs de plus en plus diversifiés peuvent s'impliquer. Alors, restez à l'écoute et nous allons la semaine prochaine, peut-être pas demain parce que demain il y a beaucoup de gens qui seront dans les avions, mais la semaine prochaine, eh bien, vous allez déjà entendre les prémices du programme. La liste du nouveau MAG est déjà publiée sur le site de l'IGF. Et deux tiers du MAG ont été renouvelés. Donc nous avons déjà un noyau dur sur lequel nous pouvons compter et avec un afflux d'idées fraîches et de 109. Alors je voudrais bien sûr remercier l'UNESCO, merci toutes les équipes, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous accueillir, merci à l'ambassadeur Martinon, à Pierre Bonus, à toute l'équipe d'organisation. Nous n'aurions rien pu faire sans leur aide, sans les bénévoles, évidemment sans la communauté, rien n'aurait été possible, que ce soit dans le cadre des initiatives régionales, nationales, des initiatives jeunes. Vous nous avez fait part des difficultés que vous aviez rencontrées, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Vous avez fait preuve de beaucoup de passion, de dévouement et j'attends avec beaucoup d'impatience l'IGF 2019. Thank you very much, Lynn. Merci beaucoup, Lynn. Et je donne maintenant la parole à l'ambassadeur David Martinon, coprésident et représentant du Pays Hôte. Merci, Chengetai. Donc, au fond, c'est mon dernier discours en tant qu'ambassadeur pour le numérique, puisque demain, je remets les clés de mon bureau à mon ami Henri Verdier, qui a eu l'imprudence d'accepter le poste. Henri, bonne chance à toi. Et merci pour ton travail pendant l'IGF. Donc, je n'ai pas préparé grand-chose, et du coup, comme le ministre a déjà parlé, je vais me permettre de parler de manière assez personnelle. Mon premier IGF, c'était il y a 5 ans, en 2013, en Indonésie. Entre nous, c'était à Bali, mais pour ma femme, il valait mieux que je dise que c'était en Indonésie. Par ailleurs, c'était quelques semaines après que Moez, qui était alors encore un cyberdissident tunisien, nous invite au Forum de Tunis. Une semaine après les révélations Snowden, donc vous pouvez imaginer la pression qui fut la nôtre de la part de la société civile, nous les représentants des États. 5 ans après, en février dernier, à Ottawa, Lynn m'a approché pour me dire que ce serait vraiment une bonne idée si la France acceptait d'être le pays hôte en 2018.
et je suis revenu à Paris et j'ai fait cette proposition-là parce que, au fond, l'IGF est une institution qui est déjà pérenne, puisque c'est sa 13e édition, que c'est une institution du système des Nations Unies, que la France est très attachée au système des Nations Unies, que la France considère que le système des Nations Unies peut être un lieu où l'on parle de gouvernance de l'Internet, et que l'IGF, au fond, a une caractéristique très particulière, c'est qu'il a ce caractère d'universalité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, j'ai fait cette proposition qui a été retenue et nous sommes partis dans la préparation de cette édition 2018 avec Pierre, avec Dalila, avec Lynn, avec le secrétariat pour qu'au final nous nous retrouvions ici à Paris pendant 3 jours. Ce que je voudrais dire avant de partir, c'est que vous ne pouvez pas douter de mon engagement pour l'IGF. Nous avons besoin de l'IGF, mais nous avons besoin que l'IGF prenne encore plus d'ampleur, encore plus de responsabilités. Et pour cela, oui, il va être nécessaire que l'IGF évolue, poursuive son évolution. C'est d'ailleurs ce que son mandat lui recommande de faire. Le mandat de l'IGF, donné lors du sommet mondial sur la société de l'information, renouvelé en décembre 2015 à New York, l'invite à préparer des recommandations sur un certain nombre de sujets. L'IGF est très fort pour identifier les sujets nouveaux du numérique. L'IGF a compris, cette communauté a compris avant le reste du monde quels allaient être les grands sujets dont il fallait débattre. Certains sujets ont d'ailleurs depuis même disparu. D'autres vont réapparaître à nouveau. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit le président de la République il y a 2 jours, les États vont devoir préparer des régulations. L'objectif est que ces régulations soient les plus intelligentes possibles, les plus appropriées possibles, pour éviter les excès qu'a pu décrire le ministre tout à l'heure, et pour, au fond, que ces régulations soient à jour, tiennent compte des évolutions du monde numérique. Et ces évolutions, au fond, c'est vous qui en êtes les maîtres. C'est vous, la communauté technique, les utilisateurs, les entrepreneurs. Et donc, pour éviter qu'il y ait un décalage, il est très important que cette communauté s'exprime et qu'elle donne son avis. Mais pour qu'elle donne son avis de manière utilisable, il faut que ses avis soient écrits et soient transmissibles. Encore une fois, ne vous trompez pas, la France a dit depuis le premier jour, depuis le sommet mondial sur la société de l'information, son attachement et son soutien au système multi-acteurs, au multi-stakeholder model. Nous pensons qu'il est temps que cette communauté invente la grammaire de ce modèle de façon à pouvoir le faire fonctionner de manière pleinement efficace. Si nous voulons que ces recommandations, que vos avis, que vos opinions soient prises en compte, il est important de réagir ou de réfléchir au processus de production, d'élaboration de ces contenus. Il est important que vous inventiez cette grammaire du modèle multi-acteur. Comment organiser la meilleure représentation de tous les acteurs ? Comment organiser des consultations qui soient les plus claires, les plus transparentes, les plus efficaces possibles ? Comment faire en sorte que ces écrits, ces avis, soient communicables facilement, qu'ils soient connus de chacun, que chaque decision maker, dont certains ont pu regretter qu'il n'y en avait pas assez à l'IGF, puisse s'en saisir et puisse les utiliser. Je fais cette dernière recommandation avant de partir. À vous, cette communauté, saisissez-vous de ces sujets-là. Allez au-delà des éditions précédentes. Continuons à bâtir sur ce qu'ont fait nos amis suisses l'année dernière avec les Geneva Messages. Prenez le pouvoir, inventez vos propres règles. Aujourd'hui, le modèle multi-acteurs, c'est une idée
qui mérite encore d'être d'évoluer et qui mérite encore de prendre véritablement corps et de prospérer. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement attachés à ce modèle que nous avons négocié avec d'autres, et en particulier des acteurs privés, le Paris Call, dont le président de la République a parlé. Parce que nous pensons, nous en sommes convaincus, que notamment sur les sujets de cybersécurité et de stabilité du cyberespace, la seule discussion entre États n'est plus suffisante. Nous devons atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous devons bannir certaines pratiques. La seule manière pour y arriver aujourd'hui, dans l'État où est le dialogue multilatéral, c'est aussi d'engager un dialogue avec les acteurs privés. Et c'est de faire en sorte que nous co-construisions ces normes. Et c'est la preuve qu'il y a une attente, c'est que ce Paris Call est aujourd'hui, 2 jours après avoir été lancé, c'est déjà un très grand succès. Plus de 54 États y ont souscrit, plus de 200 entreprises y ont souscrit, plus de 100 organisations et de la société civile y ont souscrit. J'ai rarement vu un tel démarrage pour une initiative multi-acteur. Je vous engage à l'endosser, l'analyser, et j'engage l'IGF à faire en sorte de continuer le travail sur ce Paris Call. Le Paris Call, c'est un appel à trouver les idées et à engager les mesures de coopération qui vont nous permettre de mieux lutter, par exemple, contre le reverse hacking, par exemple, contre la prolifération des armes cyber, par exemple, contre la prolifération des fake news au moment des opérations démocratiques. C'est un appel. Saisissez-vous-en. J'ai entendu également au moment du débat avec la communauté qu'il y avait une attente de plus de présence des États et de plus de présence des entreprises au sein de l'IGF. Je suis convaincu que c'est une orientation absolument nécessaire. Et pour ça, des mesures concrètes, pragmatiques, peuvent être suffisantes. Et nous en parlerons avec vous, Fabrizio, après, si vous le voulez bien. Mais il faut que chacun trouve sa place. Je vous y engage. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous êtes convaincus de mon engagement auprès de l'institution qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui y ont participé, qui ont travaillé. Et je voudrais vous dire que voilà, je suis tellement attaché que ma prochaine mission dans mon prochain poste, c'est de faire en sorte de convaincre la société civile afghane, si courageuse, dont certains sont venus jusqu'ici à Paris pour participer à l'IGF, la société civile afghane, d'organiser et d'accueillir le prochain IGF, de façon que nous nous retrouvions tous à Kaboul dans quelques temps. Thank you very much, Ambassador. And Afghanistan does have a very... Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Effectivement, l'IGF afghan est extrêmement actif et fort. Je voudrais également appeler à la tribune le docteur Daniela Brunstrup, qui est directrice générale adjointe au sein du ministère fédéral de l'économie en Allemagne, pour nous donner la perspective de notre prochaine hôte. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, cet IGF a été excellent. Il a réuni des participants du monde entier, des différentes parties prenantes. Et c'était un programme très équilibré et très intéressant. Mes remerciements à la France, aux Nations Unies et également au MAG pour l'organisation de cet IGF, une organisation qui s'est faite en si peu de temps. Félicitations, vous avez toute notre reconnaissance. Mais vous avez également placé la barre très haut pour l'Allemagne l'année prochaine. Vous le savez tous, l'IGF aura lieu à Berlin en novembre prochain. Et si ce qui a été réalisé ici ne fait que nous encourager à vous égaler et à répondre à vos attentes, attentes dont vous nous avez fait part il y a encore quelques minutes à l'occasion de la session de stocktaking. Nous prendrons exemple sur la France et sur la Suisse et nous ferons en sorte de nous inspirer de votre organisation
lorsque nous mettons en place la nôtre. Et nous comptons également sur l'engagement et les idées de la communauté de l'IGF. Nous attendons avec impatience de travailler avec vous tous et vous toutes, puisqu'il en va là de l'essence même de l'IGF. C'est un forum qui réunit les parties prenantes. Vous, comme nous, ainsi que celles et ceux qui ne font pas encore partie de notre communauté, tous ensemble, nous constituons l'IGF, nous constituons l'ensemble des acteurs qui se battent pour un Internet sûr, ouvert et pleinement fiable, libre de censure, libre de discrimination, libre de propagande. L'année prochaine, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de rassembler tous les acteurs de toutes les régions du monde et notamment des pays du Sud. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour l'Allemagne que d'accueillir l'IGF en 2019. Nous avons répondu positivement à cette demande puisque nous croyons dur comme fer en l'IGF et en son approche multi-acteur. Nous estimons que l'IGF est la plateforme internationale la plus importante pour discuter de l'avenir d'Internet. C'est un plaisir et un honneur pour moi de représenter aujourd'hui le gouvernement allemand. Vous êtes tous cordialement invités à Berlin en 2019. Berlin est l'endroit idéal pour accueillir l'IGF. Celles et ceux qui se sont déjà rendus à Berlin en sont pleinement convaincus et je suis certain que ceux qui ne sont pas encore allés à Berlin en seront également convaincus l'année prochaine. Berlin est une ville ouverte, pleine de dynamisme, extrêmement cosmopolite, qui rassemble toute une variété d'expériences et de connaissances. Une ville avec une communauté de start-up extrêmement puissante et une scène créatrice en plein essor. Tous les jours, Berlin attire de nouveaux talents, de nouvelles idées, de nouveaux investissements. Et nous pensons que Berlin est et reste un endroit ouvert aux entreprises et aux affaires. En novembre 2019, vous et nous, la communauté multi-acteurs de l'IGF, qui mettrons à exécution cet esprit qui sous-tend la ville de Berlin. Et ainsi, à nouveau, nous échangerons nos idées et tenterons ensemble de trouver une réponse aux défis les plus pressants de l'Internet. À l'année prochaine à Berlin, notre site web est désormais disponible, de même que nos comptes sur les réseaux sociaux. Rendez-vous donc sur www.igf2019.berlin. Et maintenant, je vous propose de suivre en direct la publication de notre film pour l'IGF 2019, qui devrait s'afficher à l'écran à l'instant. If the president of a country has to call the owner of the internet, who should he or she call? There's nobody. But it doesn't mean that there are no rules. We have a social problem that is associated with the use of these media, and we have to educate people. Offline human rights and fundamental rights should be the same in the online world. We need to remember that technology should not take away our humanity. 20 years ago, the internet was more or less a technical issue with some political implications, but today it's a political issue with a technical component. Artificial intelligence is a super powerful technology. Virtual reality, big data, criminal activities on the internet, all of those are incredibly important. I do feel that we are an adaptive society. The Internet Governance Forum will help sustain the internet and make it stronger. Everyone who has a stake in a topic that's being under discussion can have an equal opportunity. Let's keep working together to transform the internet and get it a safe and democratic space. Digitalisierung kann nur mit Vertrauen gelingen. Wir danken den französischen Gastgebern und wir freuen uns darauf, die Diskussion in Berlin fortzusetzen. Berlin is really a vibrant place, specifically the tech community and the digital community. In Deutschland arbeiten viele engagierte Menschen daran mit, das Internet der Zukunft zu gestalten. Die vor uns liegenden Aufgaben verlangen internationale Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich freue mich auf Ihren Besuch und lade Sie herzlich zum Internet Governance Forum 2019 nach Berlin ein. So, welcome.
welcome to Berlin. Many thanks. Bienvenue à Berlin et à l'année prochaine. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Brunstrup. Notre dernier orateur représente le secrétaire général des Nations Unies. Il s'appelle Monsieur Fabrizio Hochschild, secrétaire général adjoint à la coordination stratégique au sein du bureau du secrétaire général. Excellence, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis qui nous rejoignaient depuis partout dans le monde, nous nous trouvons dans les dernières minutes de ce voyage politique intense et impressionnant qui s'est déroulé au cours des 48 dernières heures, se concentrant sur le thème de l'Internet de la confiance. Merci à toutes et tous qui êtes encore dans la salle pour vos contributions incroyables. J'espère que ce sera récompensé par des pâtisseries et des boissons après, mais j'ai peur que les ressources ne suivent pas. Mais je reviendrai plus tard à la question des ressources. Je voudrais commencer par remercier le président Emmanuel Macron d'avoir lancé ce voyage avec une introduction unique, visionnaire et hautement stimulante. Je remercie la France non seulement pour son esprit d'initiative, pour l'inspiration intellectuelle qu'elle nous a fournie, par le biais du discours du président Emmanuel Macron et aussi par le biais de l'appel de Paris. Mais je voudrais également remercier la France pour sa grande générosité en tant que hôte. Nous avons été honorés de la présence du président Macron, mais aussi de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre Majoubi, un ami de longue date, David Martinon, à qui nous souhaitons plein succès à Kaboul. Et j'espère que nous le reverrons par la suite. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue à Henri Verdier, le nouvel ambassadeur au numérique. Je voudrais également remercier toutes les équipes extrêmement dédiées qui ont travaillé avec eux. Mes remerciements s'adressent également à mes collègues et amis de l'UNESCO, en particulier Madame Audrey Azoulay, la directrice générale, qui a également donné un élan stimulant à cette discussion, en plus de nous avoir fourni le siège de l'UNESCO et de nous avoir apporté un soutien très important pendant toute la réunion. Mais avant tout, c'est vous qu'il faut remercier, vous les participants. Vous étiez plus de 2000 sur place et encore plus nombreux en ligne, représentant 140 pays différents. Étaient représentées toutes les communautés d'acteurs. 43% des participants ici à Paris étaient des participantes, en espérant que les chiffres puissent être encore plus équilibrés en Allemagne. Nous sommes en 2018 et la parité devrait être présente. C'est l'une des critiques qui s'adresse de manière récurrente à la communauté technique, ce manque de parité. Et je dois dire que je n'en suis qu'un autre exemple. Si vous regardez qui se trouve derrière le bureau, eh bien, je devrais être une femme. Ensemble, vous représentez, vous êtes à l'image du modèle multipartie prenante de l'IGF. Et je voudrais revenir sur certaines remarques qui opposaient l'approche multilatérale et l'approche multipartie prenante. Or, le multilatéralisme est de plus en plus une approche multipartie prenante, ce qui est illustré par d'excellents exemples, notamment l'accord de Paris sur le climat, qui s'inscrivait justement dans une approche multipartie prenante. Sans oublier le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui est également un effort à la fois multilatéral et multi-acteurs. Mais vous êtes au cœur de cette approche, et donc nous vous remercions, nous nous inclinons devant vous et nous vous admirons. Les statistiques que j'ai citées sont impressionnantes, mais ce qui est plus important encore, c'est la dynamique, ces salles qui sont pleines, ces couloirs qui fourmillent. Et malheureusement, certaines salles étaient trop pleines, comme cela a été dit lors de la séance précédente. Mais en écoutant cette discussion très intéressante, en plus d'une petite crève, j'ai retenu trois choses intéressantes, trois points intéressants. La confiance, les données et l'éthique. La confiance figure au titre de cet IGF, un déficit de croissance entre les pays et au sein même des pays, mais aussi envers les organisations multilatérales. Voilà
un thème que le secrétaire général des Nations Unies aborde volontiers. Et le thème de la méfiance envers les gouvernements a trouvé un écho très puissant auprès des remarques de mes prédécesseurs. Au cours des trois derniers jours, vous avez examiné ces questions de confiance envers le numérique en profondeur. Vous êtes passé d'une notion abstraite de l'identification de moyens concrets afin d'améliorer la confiance. En effet, là où il y a une sensibilisation sur le fonctionnement de la technologie, là où il y a de la transparence, là où il y a une responsabilisation des industriels, des gouvernements et de nous, les utilisateurs individuels, la confiance prospère. Mais la confiance prospère également là où il y a l'éthique, comme l'a bien dit la session qui s'est concentrée sur l'intelligence artificielle. Une société, même numérique, ne peut fonctionner sans confiance. Je voudrais vous encourager, vous, mais aussi encourager notre panel des Nations Unies sur la coopération pour le numérique, à continuer d'explorer des méthodes concrètes afin d'améliorer la confiance envers le numérique. L'importance clé des données était également un élément saillant de vos discussions aujourd'hui. Partout dans le monde, et je pense que l'ambassadeur Martinon a bien fait allusion à ce fait-là, les sociétés recherchent le bon équilibre politique pour gérer les données. Comment faire en sorte que les données nourrissent l'innovation et le dynamisme économique tout en protégeant le public, la population et les intérêts individuels? Comment faire en sorte que les données ne soient pas utilisées à des fins frauduleuses, pour des buts commerciaux ou encore pour violer les droits de l'homme? Comme cela a été indiqué, nous avons entendu des exemples très importants de la région MENA où les données ont été utilisées justement en violation des droits de l'homme. Dans les sessions auxquelles j'ai participé, j'ai entendu que les données étaient un problème transversal et interdisciplinaire par excellence. Les données posent des problèmes technologiques, de normalisation, mais aussi des questions de sécurité dans notre société moderne et des questions de droits de l'homme, puisque lorsqu'il est question de données, il est question de protection de la vie privée, mais aussi de commerce. Et donc toutes nos communautés de parties prenantes multilatérales devront répondre à ce défi des données de manière plus globale et plus sophistiquée. En plus de la confiance et des données, de nombreuses sessions se sont concentrées sur les questions d'éthique et d'intelligence artificielle. L'éthique est peut-être l'aspect le plus important dans la rencontre entre la technologie et l'humanité. Et les discussions que nous avons eues ici à l'IGF ont répondu aux questions de « éthique by design ». Peut-on programmer les machines pour qu'elles soient éthiques? Et si oui, quelles seraient les règles et les principes? Si de nombreuses questions restent sans réponse, nous avons néanmoins besoin de lignes directrices, par exemple pour les armes autonomes. Et d'ailleurs, le secrétaire général a appelé à une interdiction des armes autonomes. Mais nous avons également besoin de lignes directrices qui régissent les véhicules sans conducteur ou encore les milliers d'applications qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle, notamment les logiciels de reconnaissance faciale. Peut-être que nous aurons besoin de plus de philosophes pour les futurs IGF afin de nous aider à répondre à cette question. Et à cette occasion, je voudrais répéter l'appel du secrétaire général qui nous a dit que non seulement l'IGF devrait être multipartie prenante, mais aussi il devrait être multidisciplinaire. Car nous ne pouvons pas fonctionner en silo. Si nous voulons faire justice aux défis formidables que nous posent les nouvelles technologies, parmi lesquelles l'Internet. L'IGF est en transition, comme de nombreuses institutions qui sont les nôtres, institutions qui doivent répondre aux évolutions numériques. À la fois, Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Président Macron ont souligné leurs attentes envers l'IGF. Comme cela a été indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons besoin d'un changement précisément pour sauvegarder l'essence publique d'Internet, pour faire en sorte que l'Internet reste ouvert, libre, avec une diversité de contenus, tout en étant sûr et digne de confiance. Nous devons faire en sorte, comme cela a été dit le premier jour, que l'Internet produise une magie de connexion, mais une magie blanche, pas la magie noire à laquelle nous assistons actuellement. Que l'Internet connecte et rapproche l'humanité plutôt que de la diviser, pour faire avancer le bien plutôt que de faire le mal. Et tous les efforts pour renforcer l'IGF
doivent donner au Forum les outils pour répondre aux défis de la manière la plus sage possible. Et dans certaines des déclarations qui ont été faites, il semble exister une fausse dichotomie entre liberté d'une part et réglementation d'autre part. Et pour moi, cette dichotomie n'a pas de sens. L'absence d'état de droit, ce n'est pas ça la liberté. L'absence de l'état de droit, c'est la loi du plus fort, c'est la tyrannie, qu'elle soit entre les mains des entreprises privées ou encore de régimes autocratiques. Et puisque nous sommes à Paris, je voudrais citer l'un des très grands penseurs français, Lacordière, qui était militant politique à une époque de soulèvement en Europe, l'an 1848, à l'époque où l'Europe traversait une révolution industrielle. Il a dit la chose suivante: « Entre les riches et les pauvres, entre les faibles et les forts, entre les maîtres et les servants, c'est la liberté qui restreint et l'état de droit qui nous libère. » L'état de droit, compris de manière intelligente et en conformité avec les normes internationales, est un facteur de libération. Mais l'absence d'état de droit est la voie ouverte aux dérives. Et ces dérives, elles ont été évoquées, par exemple, par nos participants d'Azerbaïdjan ou d'Égypte. Donc nous devons ici être à l'écoute de l'IGF. Si nous voulons protéger toutes les caractéristiques d'Internet que nous chérissons, ce n'est pas à moi de dire comment, mais il faut que cela passe par un cadre politique qui protège Internet de ses dérives. L'IGF devra jouer un rôle important pour renforcer les mécanismes de coopération pour le numérique, mécanismes qui sont actuellement en train d'être examinés par le panel de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies. L'interaction lancée ici entre le panel et l'IGF jouera un rôle de premier plan et je vous invite toutes et tous à contribuer au débat du panel, notamment en mettant à disposition des propositions pour faire le lien entre les forces de l'IGF et le besoin de davantage de mécanismes de coopération pour le numérique. Il y a encore beaucoup d'espace pour trouver des solutions novatrices et efficaces. Excellences, mesdames et messieurs, plus de 170 sessions ont été organisées cette semaine. Des plénières, des forums ouverts, des ateliers, des sessions éclairs et d'autres réunions informelles et des événements parallèles. Nous devons reconnaître et applaudir l'excellent travail préparatoire fait par chacun des membres du groupe consultatif multipartie prenante 2018 sous la houlette de l'excellente Madame Lynn Saint-Amour. Et je pense qu'elle donne du crédit au nom du vin, le Saint-Amour, et non l'inverse. Nous devons également remercier tout le personnel des Nations Unies pour les services de conférence, la sécurité, la couverture médiatique, la communication, la participation à distance et les infrastructures techniques. Les initiatives nationales, régionales et de la jeunesse devraient également être reconnues puisqu'elles étendent l'importance et l'inclusivité de ce dialogue sur Internet multipartie prenante. Nous conquérons de nouveaux pays et de nouvelles régions. Nous avons maintenant plus de 110 initiatives nationales et régionales. 50 d'entre elles étaient présentes cette semaine afin de mettre en lumière leurs exploits. Merci à toutes ces initiatives nationales et régionales, y compris à celles qui n'ont pu être représentées ici en personne. En attendant le 14e forum sur la gouvernance d'Internet l'année prochaine, les innovations dans le programmage et les activités intercession continueront d'être organisées du bas vers le haut en nous appuyant sur les retours de notre communauté, en respectant également notre nouveau mandat qui appelle plus de participation des différents acteurs des pays en développement et également une amélioration des modalités de travail. Enfin, et pas des moindres, nous voudrions saisir cette occasion de remercier les bailleurs de fonds qui ont apporté une contribution financière au fonds fiduciaire IGF Nations Unies. Je voudrais remercier notamment le Royaume-Uni pour sa contribution. J'étais très impressionné de voir la liste de bailleurs de fonds et de voir qu'il y avait
que nous avions tellement de bailleurs de fonds privés. C'est quelque chose d'exemplaire. Et de voir l'ensemble très varié de contributions que nous avons, c'est une excellente chose. Mais soyons francs, nous devons en faire encore plus. Je recherchais une analogie pour illustrer cela, et peut-être que celle-ci est un peu bancale, mais je vais vous la présenter quand même. Nous avons des ressources, mais l'IGF, c'est presque un organe bénévole. Les membres du MAG ne sont pas payés. Et le personnel de l'ONU qui est payé le fait sur ses heures sup. Il n'y a pas de personnel des Nations Unies qui soit consacré spécifiquement à ces tâches. Et donc si nous voulons que l'IGF roule comme une Ferrari pour répondre aux défis qui lui sont posés, eh bien il faut bien mettre de l'essence dans le réservoir. Et en ce moment, il n'y a pas trop d'essence et donc il faut que la Ferrari roule doucement pour qu'elle puisse tenir la distance, mais il faudra une vraie injection de ressources si nous voulons répondre à certains des défis qui se posent devant nous. Et je dois dire, en tant que nouveau aux IGF, c'est seulement mon deuxième forum de la sorte, je suis impressionné de voir ce que vous avez réussi, étant donné le peu de ressources que vous avez à votre disposition, de voir le réseau que vous avez créé partout dans le monde. Mais je reste convaincu que nous devons passer à la vitesse supérieure à ce titre. Mais cela ne sera pas possible sans une injection d'idées d'une part et de ressources d'autre part, afin que ces idées puissent être transcrites dans les faits. Et je remercie également l'Allemagne d'avoir répondu présent pour l'année prochaine. Merci. Et je pense que nous devons également en faire plus en termes de représentation. J'attends avec impatience d'aller en Allemagne, même si, évidemment, je partage l'avis de ceux qui demanderaient un meilleur roulement entre les continents. Après cette conclusion quelque peu longue, je vous souhaite de bien rentrer chez vous. J'espère que vous pourrez mettre à exécution toute l'inspiration que vous avez collectée ces jours-ci, et notamment dans cette ville incroyable, avec des hôtes aussi généreux. Et je vous souhaite d'évoluer dans un environnement en ligne et hors ligne sûr. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint. Je voudrais simplement conclure en vous disant à tous qu'une réception est organisée en haut. Une réception organisée par notre hôte à venir. Et je pense que je n'ai pas entendu des remerciements pour les scribes. Nous pouvons les remercier pour tout le travail qu'ils ont réalisé. Merci à tous d'avoir continué vos efforts jusqu'à la fin. Nous apprécions vos efforts. Nous nous verrons à l'occasion des intercessions ou l'année prochaine à Berlin. Merci.